vous m'accompagner? Non, j'ai envie de faire ça tout seul. Tain, y a pas cette option pour lui dire de pas venir. Nous chassons ensemble. Oh. Commencez les totems d'Irsine. Eh bah, c'est parti. J'aurais préféré faire la mission tout seul, mais bon. Oh, faut aller loin. Parfait. Ce serait une bonne excuse pour aller papillonner. Et pourquoi j'avais ce truc de mie? Attendez. Est-ce qu'on n'irait pas tenter de se frotter à des géants, là? J'ai une sacrée réduction de dégâts physiques, maintenant. Et un gros pool d'HP. Et une grosse sustain. Bon, certes, mes dégâts sont pas au max, mais... Il y a peut-être quelque chose à faire. Salaud! Ah merde! Ah, c'est vrai qu'elle me suit! Ah, du coup, elle va se faire souiller par les géants! Ok, bon, on est capable de les tanker en vrai. Merde! Putain, mais. Je veux juste les taper, moi! C'est vrai que je pourrais juste lui ordonner d'attendre si je veux faire la quête solo. Mais bon, peut-être qu'elle est nécessaire à la quête. Ça me dit rien cette quête en vrai. On va la prendre avec nous. Voilà. Voilà. Oh bordel. Adieu. Ok, non, pas adieu. Ouais, je pense qu'il faut les compagnons avec soi pour faire ces quêtes. Regardez sa masse. Elle a tellement volé. Ah oui, ça aussi, c'est lourd avec les géants. Ils ont toujours plein de peau sur eux. Attends, il fait quoi, lui? Attends. Ah, mais c'est un merdier général, en fait. Il y a un Smilodon qui est en train d'attaquer je ne sais qui. D'accord. C'était lui qui se faisait attaquer. En fait. Aïe 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 aïe. Ok. Espadon des bonites. Ça fait pas mal de trucs lourds sur moi. On va aller lui parler à lui. Si j'étais vous, je n'approcherais pas. Quoi? Je pars pour un campement de géants et je ne peux pas jurer qu'ils ne croiront pas que vous faites partie de l'offrande. Tenez-vous à l'écart et vous n'aurez pas de raison de vous inquiéter. Une vache, bien sûr. Ah oui. D'autres font différemment. Certains pensent que c'est de la superstition, mais moi je crois que ça marche. C'est une tradition. Nous marquons l'animal de façon à ce que les géants sachent que nous leur laissons délibérément. Une sorte d'offre. Merci, prenez soin de vous. Putain, il donne sa vache aux géants, c'est pas cool. Est-ce que c'est considéré comme terminé? Non, ce n'est pas considéré comme accompli. Du coup, il faut peut-être buter le mammouth. Peut-être qu'il faut... What the fuck? Je crois qu'il faut buter le mammouth pour que ce soit considéré comme accompli. On va lui montrer au mammouth. Mais il a la tremblotte! Oh, merde! Oh merde! Ah, et là, va les tanker un peu. On doit gérer 3 mammouths. Attends, est-ce que... Voilà, c'est bien ce que je me disais. Il y a un point à prendre, là. Et du coup, ça monte à combien? 114. Ah, c'est déjà mieux. Ok, c'est celui qui a la tremblotte, à qui on a déjà mis des dégâts. On attend qu'Ella se fasse tabasser un peu. Voilà, elle prend l'aggro. Elle va nous permettre de mettre des coups gratuitement.
comprends pas, parfois ça touche pas alors que ça devait toucher. Ok, ils sont passés sur moi. C'est full buggé. Mon épée était en plein sur lui et ça ne le touche pas. Est-ce qu'il y a de la... Non. Mammouth, il n'y a pas... Oh, bordel. Non, il n'y a pas de feu. À chaque fois, je vérifie, mais non. Putain, j'ai sans doute déjà fait la réflexion, mais... Ce qu'on pourrait faire avec de la peau de mammouth. 10 de cure, au moins. Ok, celui-ci est full life. On devrait plutôt attaquer un qui est déjà endommagé. Sacrée cadence de frappe. Oh bordel! Il avait la range. Bon, on va finir ces deux mammouths et on aura accompli notre premier campement de mammouth. C'est une grande victoire. Ok, il y en a un ici. Un ici. Allez, hein. Ok, faut reculer, reprendre de la vigueur. What? Ok, le mammouth a tenté un tricks. Il reste plus que celui-ci qui est en train de se prendre des flèches d'Aela et qui est bloqué. En vrai, je les prends uniquement pour le bruit. Attends, je suis stuck. Le mammouth m'a stuck. Ok. Ok, c'est la charge. Ok, c'est la fuite. Je crois que Ella lui fait littéralement zéro. Ok. Et est-ce que là on va avoir le bruit de complétion? Ouais, on a eu le bruit de complétion. C'est vrai que ça me tentait, hein, le tombeau d'Ilgrund. J'ai récupéré pas mal de trucs aussi. Petit tour à Solstheim, là, faut vendre un coup. Wow, oh, ça m'a fait peur ces bruits d'épée là. Mine de rouge braise. Pourquoi faire? Je sais pas de quoi tu parlais. Vous n'êtes pas un trouble fait, j'espère. Que puis-je pour vous? Mais pourquoi tu veux que je tue des bandits? Ou alors tu répondais à quelqu'un d'autre? Ah! Ah, ok, ah, t'inquiète pas, c'est pas ce qui manque, hein. C'est pas ce qui manque dans Skyrim de buter des trucs. Je vais attendre environ 13 heures, je pense. Pourquoi on ne voit jamais de dragon? Y'a pas de dragon dans Skyrim. Pour en avoir, faut mettre des mods.
Mais bon, la majorité des gens modent leur jeu, c'est pour ça que t'as l'impression qu'il y en a tout le temps. On va attendre que le forgeron soit là. Bah, il est toujours pas là. Bah, mon connard! Faut taffer un peu! Ok. Misérable. Vraiment misérable. Vous venez pour acheter quelque. Est-ce que t'as pas des petits crochets qui traînent, toi? Oh oui! 15 crochets d'un coup! Ça met bien. On va prendre ça. On va prendre les petites gemmes, là. Toujours y penser. On va lui prendre ses peaux aussi. Histoire de faire du cuir. Et là, on va lui vendre les potions, les parchemins, les ingrédients. On va lui vendre des trucs. Allez, je te le fais à ce prix-là. Et maintenant, on va aller voir ça. Je travaille pour Maugrul. Si vous avez, vous avez trouvé ma pioche. Hey, pourquoi t'as pas l'option pour ton stock? Allez, bro. Regardez donc. Et tiens, on vend ça. Les épées elfiques. Le niveau arrive. Hein. Le niveau arrive. Dites à Crécius qu'il ferait mieux de me rendre cette pioche. Oh, j'avais pas vu. Je sauterai dans le premier bateau. Merci beaucoup, Terminal, pour les 5 mois. Merci beaucoup, garçon. Ok. Vous êtes ici pour les. Ok, c'est là. Mais laissez-moi, monsieur, enfin. Ah non. En fait, il faudrait que je moule un petit peu. Oh là, monsieur, quand même. On se connaît à peine. Hop. Et voilà. Et là, il y a quoi? Ah, j'ai bien trop de cuir. Il faut que j'aille faire plus de bandes de cuir. Pitié, monsieur. Un tout petit peu, monsieur. Allez, encore deux. Hé, hey, faites attention. Faites attention. Tout ça pour gratter un peu d'XP. Mais bon, regardez, ça paye. Je suis dans le niveau late game du forgeage maintenant. Presque 82. Et on va lui vendre nos trucs pour faire de la place. Casque, à peu près tout ce qu'il vous faut. Et attends, Aella. Non, elle me propose rien qui m'intéresse. Peut-être qu'elle aurait pu me proposer de la rejoindre à l'endroit en question, mais non, elle veut m'accompagner pour le voyage aussi. Si vous voulez faire la traversée, voyez ça avec le capitaine Guy Alon. Ok. Tanière d'eau rouge. Grotte de Brinectar. Ça aussi, faudra le faire, le tombeau d'Ilgrund. Faire des trucs. On va faire des trucs. Il est très bien, le fauve de base. Vous êtes juste des rageux. Go faire la petite tour de guet là sur la route. Je crois que c'est la tour des orques chasseurs qui vont nous attaquer. Oui, c'est ça. C'est ça, je les reconnais. Et là, il y a le petit père qui monte la garde. Oh, oh non, c'est le code de Malakath.
C'était un gros livre, je me suis dit ça va être pas mal ça. Ça va être un point de compétence, mais pas du tout. Et en plus ils sont pauvres. Ça tu peux pas en faire des pots, ça tu peux en faire des pots. Je ne sais pas monsieur. Mais si ça arrive, ce sera certainement la fin de quelque chose. Et merci à toi pour les 3 euros de Timoxide. Ok, lui il est fort. Lui il cogne et il est tanky. Mais... Oui, clairement, la tankiness de mon personnage a grandement augmenté. Voilà, ça c'est accompli. Il y avait une petite amulette de standard. La véritable... Oh, ça c'est bien ça. Ah, dommage, on devait déjà avoir le point. Un marteau orc enchanté. Ouais. Non, non, tu peux pas avec la peau de chevreuil. J'ai déjà essayé. Je trouve ça bizarre aussi. Peut-être que je me suis trompé, hein, mais je suis quasiment sûr que tu peux pas. Ok, il faut aller par là. Ouais, peut-être qu'il en faut plusieurs, ça c'est possible. C'est le cas avec plusieurs pots. C'est vrai que la dernière fois, je devais en avoir qu'une seule. Oh là, il y a une tour en ruine. Après... Non, non. J'allais dire, dans le coin où on est, c'est potentiellement un truc de parjure, mais en fait, non. La ferme Saréti. Ah, mais c'est la fameuse ferme du Ninrot. Où tu vas chercher ta récompense quand t'as récupéré les 36, je crois. C'est combien, déjà? Les Ninrots de cramoisi font en récupérer combien dans le griffe noir? 36? 32? Je suis en route pour Vendôme, pour rejoindre les... l'Empire d'Avolo. Rejoignez la rébellion? Non, non. Non, garçon. On va plutôt aller voir la tour en ruine. C'est peut-être 30 tout pile? Ils font quoi, eux? C'est qui? Ah! Des chasseurs de trésors, et il y a un coffre! Est-ce du contenu exclusif? Peut-être bien. Mais je pense que, en réalité, à chaque let's play, il y a toujours du contenu exclusif. C'est juste que parfois on s'en rend compte et parfois on s'en rend pas compte. Mais je pense qu'il y en a tout le temps. Il y a tout le temps des nouveaux petits trucs. Nilaim, ça me rappelle un truc. Ah mais oui, je crois que c'est... Mais oui, je me rappelle. Ok, c'est que je suis arrivé du mauvais côté. C'est la fameuse embuscade. Ah, c'est cocasse ça. En fait, c'est une tour de brigands. Et tout le monde s'appelle garde. Et personne ne t'attaque. Et il va y avoir une personne au bout de ce pont. Qui va simuler le fait d'être blessé. Pour nous ramener à sa bande de petits copains et nous dépouiller. Voilà. Elles sont parties ? Des bandits ont attaqué et pillé ma charrette. Vous pouvez m'aider? Mon camp se situe près des ruines de Nilem. Amenez-moi là-bas sans encombre. Voilà. Et du coup, il nous amène là-bas. Escorter Telrav à son camp. Sauf qu'en fait, c'est une arnaque. Pour attirer des voyageurs et les dépouiller. Au sommet de cette colline. Et on est arrivé du mauvais côté, exactement. C'est pour ça qu'ils n'attaquaient pas. On approche. Je vois le camp. Ok, il va pas tarder. Attendez ici. Je reviens tout de suite avec votre récompense. Non, 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 non. Eh bien, quelle bonne surprise. Ah ah! Putain, elle est tankie, le salopard. Ah, il fait mal en plus. Bordel, il est fort. Il est fort pour un mec avec un arc de bois et... Et habillé juste... Bah avec des habits et pas une armure.
Et eux, ce ne sont que de simples bandits. Il se passe des trucs là. Attends, mais il est tanky ce bandit, c'est pas un simple bandit lui. Il a le nom bandit, mais c'est pas un bandit. Parce que j'ai vu que la barre d'Aella elle était bas, je comprenais pas trop. Mais je crois que je comprends maintenant. Ok. Putain, mais il fait mal lui. Attends, mais il y en a deux. Attends, ils ont buté Aella? Non, ils l'ont pas buté, c'est pas possible. Mais ils l'ont mis à terre. Elle est en train de se régénérer là. C'est des scélérats ou des malandras en termes de grade. Ah oui, effectivement, ils l'ont mis très low life. Oh bordel. Attends. Ah, mais j'ai pas envie d'utiliser mon reset. En fait, je vais vous expliquer, mais pas tout de suite. Pourquoi j'utilise pas mon reset? Parce que là, je pourrais juste me remettre full life, full HP en passant mon niveau. Mais full life, full endurance. Mais vous allez voir. Une stratégie incroyable. Oh bordel. Oh bordel, bordel, bordel. Il faut faire des tricks. Ouais, Dawnguard, c'est un bon DLC. Du coup, il y a moyen que je fasse la garde de l'aube. Il faut que j'attende un autre soin et on est bon, je pense. Mais vous allez voir, c'est incroyable. C'est un chef-d'œuvre d'optimisation, je dirais. Ok, bah ils ont arrêté d'attaquer. Peut-être que c'est considéré comme complété, mais je pense qu'il reste quelqu'un là-bas. Ok, regardez. Et là, on parle à Aella. Je vais vous apprendre ce que je sais. Ah bah en fait, j'avais déjà pris des points de compétence. Bah tant pis. En fait, je voulais pouvoir le prendre avant de passer mon niveau pour gratter le plus d'XP possible, mais j'avais déjà pris les 5 niveaux d'entraînement. Tant pis. Oui, c'est ce que j'allais dire, il reste le buteur de lapin, mais je crois qu'il est descendu parce qu'il y a le bout d'accomplissement. Bah mon con, y'a pas un coffre là? Voilà. Ok, bah c'est une petite chose faite sur la route. Alors oui, tu peux récupérer les golds après t'être entraîné avec quelqu'un, mais on ne le fait pas. C'est du vol, criminel. Putain, je dois vous dire un truc là qui me casse bien les couilles. Et dont je me suis rendu compte là... La première gorgée de ce stream. En fait... Ah, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est une honte. Ok, en fait, hier j'ai mangé du saumon. Jusque là, vous me suivez. Et j'ai bu dans une bouteille. Une bouteille de jus que j'avais acheté et que j'ai rempli avec de l'eau après. Et le truc, c'est que vu que j'ai bu dans cette bouteille pendant que je mangeais le saumon... Bah elle a un vieux goût de poisson froid maintenant. Et bah ça... Oh là là. Faut vraiment pas respirer en buvant. Vraiment pas. Le camembert c'était plus tard. Le saumon c'était après le stream et le camembert c'était le soir. Ah là ça m'a... Oh ça m'a cassé les couilles. Oh un messager. Je vous cherche. Oui. Ça vient de... Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Ok, il m'a donné quoi? Arroba Zeldaria, tu crois que tu peux ajouter une emote en live, bro?
En vrai, Biche, je peux. Mais il me faut 5 subs. Il me faut 5 subs avant 11h27. Sinon, je peux pas. Alors, qu'est-ce qu'il m'a donné? Bah, je sais plus ce qu'il m'a donné, moi, avec tout ça. Bah, j'ai oublié, les gars. Aïe. Ce sont des chasseurs de vampires maintenant, dans le vieux fort. Ah, bah, je. C'est quoi la note qu'il m'a donné? Ok, Falk. Ah oui, c'est Falk qui, du coup, va me dire au secours, on a des problèmes avec Potema. Aide-nous, frérot. Ça marche. ExitJoker69, merci d'avoir donné un abonnement. Merci beaucoup pour cela, monsieur. Dino Vexus X, merci beaucoup pour l'abonnement. Oh. Oh. Oh, ma. Un ours, on va pouvoir récupérer sa peau, c'est bien ça. Kali, merci pour le Prime. Et Galilée Léo Stardust, ainsi que Ket Zalto. Merci beaucoup pour les abonnements. Se peut que je rajoute l'emote. Mais Biche, est-ce que t'as pas une deuxième emote? C'était une seule emote que tu voulais rajouter ou il y en a une deuxième? On en a plusieurs. Ah! Aïe. Ah les gars, ah, je suis désolé mais je suis victime d'une imposture. Je vais vous expliquer ma triste situation. En fait, moi j'avais accepté 5 subs pour une emote. Mais là ils me disent qu'il y en a plusieurs. J'avais pas accepté pour plusieurs. 5 c'était pour une. Il y en a plusieurs apparemment. Vince, merci beaucoup pour l'abonnement. Merci pour ça, la chambre close. Point de crochetage. Voilà. Hop. Et... Oh putain, une hache d'armes d'ébonite et une armure d'ébonite dans un random coffre d'ours. Incroyable. Trop bien le sang de bête, on peut prendre des coups d'animaux autant qu'on veut. Jamais de maladie, let's go. Et en plus, derrière, il y a leur peau, ça fait du cuir. Attends, il y avait un truc à récupérer là-dedans? Ah, mais quel truc que j'ai fait! C'était pour ça que j'étais venu à la base. L'avez-vous? Oui, je l'ai. Cela ressemble effectivement à la description du totem que j'ai mis dans le livre de Skior. Ok, il faut la porter à la base forge. Ok. Oh, Doulama! Merci beaucoup pour les 5 subs, Doulama. Merci beaucoup pour ça, garçon. Vous m'en voyez fort heureux, monsieur. Le moment n'est pas à la discussion. Allons à la base forge. Ok, il faut les retrouver à la base forge maintenant. Base forge. En avant. En avant, garçon. Aldo, les emotes? Oui, les emotes, ne vous inquiétez pas. Mais avant de faire les emotes, j'attends quelques petites choses. Alors, totem d'Irsine numéro 1. Attendez! No troll. T'es en train de me dire que du coup... Il y a 3 totems d'Irsine à rassembler, et qu'une fois ces 3 totems d'Irsine rassemblés, il se passe un truc. No fake. Les véritables OG qui ont suivi des tonnes de let's play, on n'a jamais fait ça. Mais nos trolls, on est sur du contenu exclusif, c'est réellement jamais arrivé ça. Moi ça me dit réellement rien pour le coup. Et voilà. C'est pour ça que ça vaut le coup de refaire Skyrim en boucle. Toujours du contenu exclusif.
Et là, je viens de prier. Ok, apparemment, ça m'a activé des pouvoirs. Qu'est-ce que ça m'a fait? J'en sais rien. On va aller voir dans les effets actifs. J'ai pas la moindre idée de ce que ça a fait. Mais c'est certainement en rapport avec la lycanthrope machin. Lycanthrope pi ou phi, je sais plus. Mais ça doit être que en rapport avec les loups-garous. Vous êtes quelqu'un d'efficace. Je cherche du travail. Un citoyen d'Est-Marche a demandé... Il semblerait qu'un prédateur ait envahi les lieux. Je savais que nous pouvions compter sur vous. Ah, donc c'est donc comme ça que ça va se passer maintenant. Il donne une mission à la con. Tu remplis la mission à la con. Après avoir fait la mission à la con, ils disent « Hey bro, il y a un totem d'Irsine, frérot !» Bah écoutez, on va faire ça. On va faire ça jusqu'à avoir tout rassemblé. Et c'est parti. Lockshock, merci beaucoup pour les 2 mois d'abonnement. Excusez cet odieux altable. Je répondais à ma 3e meuf. Alors, du coup... faut aller là. Ok, tuer cette bête, loup. On va partir d'ici. Ok, c'est par là. Petit arrière-goût de saumon mort là. Saumon mort et froid. Merci beaucoup pour ça. Alors, faut les buter un loup. On prend sa peau. On va voir Ella. Elle nous dit c'est bien garçon. Et elle nous donne notre mission pour un totem, j'imagine. Ah oui, c'est un petit filon de fer. Oh, quoi? Attendez, faudra prendre après, mais... La chèvre avait une putain de pierre précieuse sur elle. C'est incroyable. Merci chevaux. Agend, merci beaucoup pour ton prime. Attends, mais elle en avait deux. Elle en avait deux en réalité. Cette chèvre était riche. Oh, c'est la caverne maudite. C'est la caverne des araignées. Bon, en vrai, je suis un petit gars en campagne. J'ai aucun mur de protection. Aucun garde, rien. Et tous les jours, j'ai juste à lever la tête. Je regarde là. Là, regarde. De là, tu peux les voir. Pour voir tous ces gros cocons et tout. Une grotte sombre. Ah, ça me mettrait pas au max. Il n'y aurait que 2 options. En partant du principe que je suis vraiment cette personne dans un univers médiéval fantastique. Petit 1, déménager. Petit 2, se payer les services d'un mage de feu, l'envoyer dans la grotte et qu'il brûle absolument tout. Genre vraiment qu'il fasse un énorme brasier, une incinération totale. Clutch Fra, merci beaucoup pour le prime. Il faut retourner voir Ella maintenant. Ah, putain. Vous êtes quelqu'un des... Ok, voilà, c'est fait. Cet endroit doit être soulagé. Du travail ? Vous pourriez me faire l'honneur de vous jouer. Je crois avoir trouvé un autre totem. Allez. Nous chassons ensemble. Voilà, comme prévu. Une quête à la con, into, totem d'Irsine, et c'est ça en boucle. Le cycle. Il faut aller en bas. Attends, quoi ? Ah d'accord, c'est là.
En passant par la par cette grotte là, il y a un chemin. Ouais, j'avais fait un vampire, je crois. Il y a une petite Oh! Ok, je me suis mis en troisième personne dans le coup, c'était une araignée. Il y a une petite cabane sur la route. J'aime bien tous ces animaux là. Tous ces animaux qui viennent donner leur peau. Je crois que j'avais jamais vu cette exécution à la troisième personne. C'était classe. Zoc TV, merci beaucoup pour l'abonnement. Merci beaucoup pour cela. Et Moï, merci pour les 2 mois. C'était pas Aldo, il a fripouille, le vampire cannibale. Je crois que c'était lui, ouais. Oh, cabane de l'alchimiste. Et ben voilà, cabane de l'alchimiste. Le journal de l'alchimiste. Oh, des selles de feu. Il en faut pour une quête. Voilà, 1 sur 10. Encore des selles de feu. 2 sur 10. Merci pour ça. J'avoue que j'avais... Allez, j'avais promis des emotes. Alors, je me dois d'ouvrir Discord et d'ouvrir une page BTTV une fois de plus. Vous allez avoir un écran figé, c'est normal, ne paniquez pas. Gardez votre calme. Vous foutez de ma gueule ? Il y a 50 notifications dans la conve. J'ai pas le temps. Bon, c'est quoi ? Ok, biche, fais-moi un message qui regroupe tout, et je le fais. Mais j'ai pas envie de fouiller des informations en plein stream. Faut un message qui regroupe tout. Ouais, vous inquiétez pas, ça arrive, ça arrive. Y'a un truc qui a pris mon... Quoi ? Tu veux quoi, toi ? D'où tu pop ? Elle a la même arme que moi. C'est une belle arme. En vrai, on se la donne bien. Franchement, on se l'est bien donné, respect à elle. On se l'est vraiment bien donné. Oh, elle a de l'hydromel de ronce noire. Putain, mais elle a full alcool. C'était peut-être une habitante du skatepark. Je pense que c'était ça, en vrai. C'était vraiment une habitante du skatepark. Hein. Du coup, biche, c'est bon ou pas, bro? Ok, c'est bon. Ok. C'est parti pour ajouter des emotes. Ah oui, c'est vrai que c'est des bonnes emotes. C'est des emotes que je vois régulièrement sur des lives. Ok, on va les chercher. Il y en a bien 3, on est bien d'accord. Oh là, mais vous êtes gâtés. Il y a déjà eu 3 nouvelles emotes au début du live. Et là, il va y en avoir encore 3. 6 nouvelles emotes dans un live. Attends, ma dashboard... Je suis à 88 sur 96, donc après ces 3 emotes, il me restera encore 5 emotes. Bah dites-en. Alors... Celle-ci... Shrek... U. Ok, à toute Chanel. Et ça, c'est le mode check. Mode check. Ok, c'est un mode très populaire. Du coup... Ok, celle-ci est utilisée par... Est-ce que c'est la plus ?
Ah, voilà, celle-ci utilisée par 28 000 channels, c'est celle-ci. Et une toute dernière, et on peut reprendre le gameplay. What? Blink. Ok, il y en a que deux, c'est laquelle qui est utilisée? Ok, c'est celle-ci. Add to channel. Ok. Dans 5-10 minutes, il suffit d'actualiser. Et bah ce sera là. Merci pour ça, Jésus. Bah en soi, il buildait pas vraiment Sterak. Mais Hydre et Viscérateur, ouais, c'est bien. Surtout Hydre. Et merci, garçon. La honte. Honte d'Aemar. Oh. Oh merde. Ou alors, oh yes. On pourrait faire d'une pierre deux coups. Il y a deux quêtes au même endroit. Les deux mêmes au même endroit. Bah vas-y, hein. D'une pierre deux coups, c'est parti. On fait une double quête. Ça coûte de l'argent à un streamer de rajouter une emote? Oui. Oui, oui, j'ai dû vraiment payer beaucoup pour ces emotes que j'ai rajoutées au cours du live. Non, en vrai, vraie réponse, des emotes faits par une vraie graphiste comme les vraies emotes de ma chaîne, alors ça, pour le coup, oui, ça coûte. Par contre, pour ce qui est de rajouter des emotes BTTV, ça coûte rien. Enfin, je suis abonné à BTTV, du coup, c'est genre 5€ par mois. Et tes abonnements se cumulent et ça peut monter jusqu'à 100 emotes au total. Et là, je suis à 96. Jusqu'à ce que je trouve quelqu'un pour nous départager. C'est là que tu entres en scène. Ok. Merci. Depuis qu'il m'a banni, le vil est très affaibli. Donc... Je sais qu'on le vénère à la honte des mares. Si le plan fonctionne, tu seras récompensé. Tu ne dois cependant accepter aucune de ses offres. C'est compris? C'est compris, garçon. Rejoignez l'hôtel du vil Clavicus en compagnie de Barbas. Alors, je connais déjà cette quête. Je sais déjà que la récompense varie en fonction de... des réponses que tu donnes au Dédra. Et je vous préviens d'avance que toutes les personnes qui demanderont de faire ci ou ça pour avoir telle ou telle récompense seront permaban. Parce que dans tous les cas, la récompense qu'il va donner, on s'en bat les couilles. Prévenu. Alors, tac tac. C'est vrai que c'est une histoire de vampire et tout ici. C'est d'ailleurs pour ça que c'est vraiment bien d'être un loup-garou pour toutes ces choses, parce que impossible de devenir un vampire du coup. Vous voilà. Oh non, j'ai frappé Barbas. Faut surtout pas frapper le chien. Ok. Attends, ok, non, c'est bon, j'ai pas tapé Barbas. J'avoue que c'est grave rentable, ces deux quêtes en un donjon. Surtout que la quête de Barbas, elle est quand même sacrément chiante. Je dirais même que la quête de Barbas, elle est barbante. Et du coup, bah, c'est bien de pouvoir faire les deux choses d'un coup. Ça permet de mettre ça de côté. Elle, elle est forte. Voilà, c'est bien ce que je me disais, ancien vampire. Ça se voyait qu'elle était puissante, elle. Elle me fait son siphon de santé broken, là. Heureusement que j'ai deux PNJ pour m'aider. Attends, on va buter son... Voilà. Comme ça, tout le monde sera sur le vampire. Si tu ne finis pas ces quêtes, tu parcours bord de ciel avec ta femme et ton chien, du coup. Ouais, c'est vrai. Mais moi je suis plutôt solitaire et mystérieux. Oh, les belles sont des PC, des épées nordiques. Putain, je me disais bien, j'entendais des bruits. Merci pour les 10 mois, Avoc. Ah oui, l'image. L'image dans la scène LOL du mec qui mange la soupe là. Eh bien, je sais même plus exactement d'où il vient. Je sais qu'il vient d'un clip d'une chanson connue, No Fake.
Et j'avais screen à ce moment-là. Mais je saurais même plus te dire c'est quoi la chanson. Du coup, pour le trouver, il faut que tu regardes toutes les chansons populaires de ces dernières années, que tu regardes attentivement tous les clips, et tu finiras par le trouver. Mais notre rôle, je saurais pas te dire d'où il vient. Enfin, je l'ai su, mais là, je le sais plus. Skial, merci pour le Prime. Je peux F5 pour les emotes? Ok, j'ai F5. Effectivement, les trois nouvelles emotes sont là. En vrai, c'est des quality emotes. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce merdier encore? Ok, là, il y a de l'esclave vampirique. Faut purger toutes ces saloperies. Ok, celle-ci est puissante. Attends, je rêve? Le chien! Le chien a défoncé le vampire, il l'a même envoyé dans le décor. En même temps, c'est Barba, c'est pas un chien comme les autres. Je sais pas où est elle là dans l'histoire par contre. D'accord, elle est certainement en train de se battre par là, ouais voilà. Exactement, c'est l'élite du chenil. Oh bordel, c'est un marché brune. Ok, faut que je regagne de l'endurance. Voilà. Soch mobile, merci pour l'abonnement. Attends, là il y a un passage, là il n'y a pas de passage. Ah si, il y a un passage aussi. Ah oui, mais là-bas c'est là d'où on venait, je crois. Ok, stylé, un petit point de destruction. Dans les livres, là, il n'y a rien d'intéressant. Non. Ok, là, c'est bon. Du coup, là, c'est la suite. Non, là, c'est la suite. Si vous avez d'autres recommandations, si vous avez d'autres recommandations, Vonche et Biche, eh bien quand vous êtes sûr de vous et que vous avez tout, tout rassemblé en un message à la fin, n'hésitez pas à me mettre au courant. Parce que pour le moment, les emotes choisis sont de qualité. Et j'ai encore 5 places. Donc n'hésitez pas. Ah! Ah, ça m'a saoulé. Tiens, gros impact critique dans ta gueule. Il est où Barbas? Bah mon chien. Bah il est pas là. Ok, je crois que c'était le repère de l'araignée, il n'y en avait pas d'autres. J'espère. Ok. Tiens, on va check si on a rien à désenchanter. Ah voilà, let's go. Ah mais oui, c'est le truc pour absorber. Le siphon de santé, c'est fort ça, on pourrait enchanter nos armes avec ça. Petit diamant. Easy le dur, merci pour l'abonnement. Merci beaucoup à toi, garçon. Oh non. Quoi? Dame! T'es une vraie sauvage, toi! Ah, mais en fait, Barbas, il était là! Il se bagarre avec les vampires! On a besoin de toi, Ella, là! Faut partager l'aggro, là! Là, il y a trop de trucs dangereux au même endroit! Attends, hop! Mais gros, Barbas, il avait aggro tous les vampires de la grotte! Et il se contente pas de les aggro, hein, il les tank! Il les tank ce fou. Le problème c'est que quand tu te bats contre des vampires, répartir les coups c'est pas le bon plan parce qu'ils se régènent tous. Faut les burst un par un.
Genre lui là. Voilà, un de moins. Le bordel. Voilà. Merci Kingu pour ton don maudit. Ok, les vampires se font purger. On va prendre l'épée nordique également. On va prendre ça, ouais. Ouais, y'a quoi là-dedans? Ok. Y en avait un qu'on avait envoyé balader, voilà, il est ici. Poussière de vampire. Et il reste un vampire qui est là. Bah mon con. J'ai Xnamor, mais c'est beaucoup pour les deux mois de Prime. Ok. Donc là il y a le coffre dans lequel il y aura le totem d'Irsine, voilà. Donc ça c'est fait. Voilà. Cela ressemble effectivement à la description du totem. On va se retrouver à la basse forge, pardon. Et là c'est le moment de... Mais laisse-moi en paix. Là c'est le moment de choisir une récompense au pif. On va... Ouais, faut parler avec ça. Je vous écoute. C'est le moins que je puisse faire, puisque vous m'avez déjà aidé à exaucer l'ultime volonté de mes derniers disciples. Ils étaient atteints de vampirisme et m'ont supplié de les guérir. Votre venue a mis un terme à leur calvaire. Moi-même, je n'aurais pas pu mieux planifier les choses. Ok, ouais. Alors, quel est votre désir secret? Ouais, quel faudrait peut-être faire ça avant. Allons-nous conclure? Qu'est-ce que je veux, moi? Non, on va faire la quête de base, hein. Ce chiot insupportable. Oubliez ça. Requête refusée, hors de question. Non, on va se tenir à la quête. Je suis content d'en être débarrassé. Même si ça veut dire que je suis coincé à ce pitoyable hôtel, au milieu de... nulle part. Eh bien, peut-être existe-t-il un moyen pour qu'il retrouve sa place à mes côtés? Peut-être. Mais je ne promets rien. Ouais? Il existe. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a une arnaque, c'est une quête qui te donne une quête. Puissante. Ah, faut que j'aille chercher sa hache maintenant. Suffisamment redoutable pour que je m'amuse avec. Et on peut pas skip le dialogue. Si vous me l'apportez... Allez, on va aller chercher la hache en question. Sans condition ni mauvaise surprise. Du moins, pour vous. Ok. Si je me souviens bien, tanière de Rimrock, c'est parti. Tanière de Rimrock. Barbas peut vous y conduire. Ce chien pourrait même retrouver sa place à mes côtés. Ok, carte mise à jour. Donc les totems d'Irsine, on va attendre. On va finir cette quête. On va aller retrouver la hache pour le bon père Barbas. Alors, hop. Où est-ce que c'est? C'est loin, très loin. On pourrait partir du bateau. Ah, il est là! Ah, mais elle aussi, elle me suit maintenant. Bon, bah, ça va faciliter ma quête. Orqueur pas autorisé. Enfin, très autorisé en fait, mais... C'est toujours bien de les tuer. Pour gagner des points de demain, justement. Il y a deux grottes qui sont juste à côté, mais c'est pas celle-ci qu'on cherche. Ok, mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est plus par là. On pourrait prendre le petit bateau qui permet de te mener au château Volkia. Mais il fuit. C'est quoi ce bordel?
Il y a une mêlée générale. Il y a vraiment une mêlée générale. Et je ne peux pas fouiller leur cadavre assis. Oh merde, j'ai failli mettre un gros coup d'épée dans Barbas. Ok, on est bon. On va aller prendre le château qui est là, le petit truc qui te permet d'aller au château Volkiar. Et derrière, on va se diriger vers la grotte qui est là-bas, là. Le M mot. Le mot en M. Le mods mot. D'ailleurs, tu peux nager jusqu'au château Volkiar, je l'avais déjà fait. Mais une fois sur place, tu pourras rien ouvrir, même les trucs sur les côtés. Tout nécessitera une clé. Que tu n'auras pas, du coup. Tellement classe le château de Volkiar. Même s'il est un peu en ruine. Justement, ça lui donne tout ce charme. Et là, on va choper le château des Talmor, là. D'ailleurs, cet endroit-là, c'est sympa pour faire une belle boucherie de Talmor quand t'as envie. Ouais, c'est par là. Attends, il y a un ours. On va lui mettre à l'ours. Bidoule, merci beaucoup pour ton prime. Mode autorisé un jour. S'il y a mode autorisé un jour, je vais vous dire très exactement ce qui va se passer. Je vais mettre 12 milliards de conneries maudites. Ça crachera toutes les demi-secondes. Je sais même pas si on pourra encore lancer le jeu. On fera un let's play full maudit pour voir toutes les conneries que j'ai installées pendant 3 heures. Et derrière, j'irai delete le perso et delete tous les mods que j'ai installés. Ce sera comme ça que ça se passera. Mais ça arrivera peut-être un jour. Oh. Mais oui, je me rappelle de toi. T'es le mec sur qui la confrérie noire a un contrat, non? Bon, là, t'es pas là, mais normalement, t'es là. Ouais, par exemple, les araignées qui sont remplacées par des Spider-Man. Et d'ailleurs, pour avoir déjà vu des vidéos de Skyrim modées honteuses, j'ai vu ces fameux araignées Spider-Man, et en vrai, je trouve qu'elles font plus peur et qu'elles mettent plus mal à l'aise que les vraies araignées de Skyrim. Mais c'est mon avis. Ok, c'est par là. On a bien gagné de la hauteur. Ok, on est bon. Non. Non, c'est vrai, Castor Rose, c'est vrai qu'on pourrait faire la quête du trafic de Skooma où il y a tout le monde qui shoot. Et on pourrait appeler ce stream où on ferait cette quête, la journée officielle de la Maximator, un truc comme ça. Il y a de quoi faire. Il y a toujours de quoi faire. Ok, on est tout près d'une tour de guet, de la grotte aussi. C'est en bas. C'était en bas en fait, il y a une arnaque. On va prendre la tour avant. La journée en bas de sa mère. La tour de Givrepin. Parfait, il suffit de buter des ours. Est-ce que ces ours ont un coffre? Est-ce que ces ours sont riches? Non, ces ours sont pauvres.
Ils en font du bordel. Attends! Je faisais pas gaffe, mais je suis en train de me faire saucer là. Bah merde. Ok. Voilà. Voilà. Et on va aller voir pour la grotte. Ça fera un petit accomplissement. Il était si honteux ce message. Il était si honteux. Mais du coup, c'est cette grotte là ? Ouais, c'est cette grotte là, j'imagine. Oui, c'est ça, la tanière de Rimrock. Cette live que j'essaie de suivre le stream comme tout bon viewer, mais on fait que m'appeler. Vrai gamer à son téléphone en mode avion en permanence. C'est la base, après c'est terrible. Il y a des gens qui veulent avoir des interactions sociales avec toi n'importe quand. Peu importe si t'es disposé ou non. Nice, mon troisième sel de feu. Il y en aura peut-être un quatrième avec ça. Ou alors c'est une invocation et du coup on l'aura pas. C'était une invocation, fais chier. Attends, Sébastien Lort ? Il est nommé le petit salaud. Tiens, on va lui parler. C'est encore un coup de clavicus. La fille d'un sorcier du nom de Sébastien Lort qui vouait un culte à Hircine. Lorsqu'elle se transforma en loup-garou, Sébastien ne put supporter. Le sorcier souhaita pouvoir mettre un terme. Clavicus lui donna une hache. Ah, habile. Ouais. Du coup, mais arrêtez de, hein. Ça me bloque là, monsieur. La hache du chagrin. Parchemin familier. Nice. Une nouvelle formule. Un jeu de la mine, biche. Bro. Je pense que le jeu de la mine, c'est bien, tu vois. Il y en aura d'autres. Mais je pense que le futur, c'est quelque chose de bien mieux que le jeu de la mine. Attends, regarde, je vais faire un alt-tab et je vais te montrer comment font les pros. Alors, XSplit, ajouter un texte. Attends. Voilà. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, mais enfin, Aldé, tu penses pas piéger des gens avec quelque chose d'aussi évident que ça. Vous allez voir. Merci beaucoup, Kayens, pour les 13 mois d'abonnement. Oh, attends, on peut faire beaucoup mieux que ça. Voilà. Et là on est au max, là on est au petit. Ok, maintenant faut rapporter la hache. Et merci pour les 13 mois, Kayens. Ok. Let's go, bro. Nadix, merci beaucoup pour les 17 mois. Et Azurel, merci beaucoup pour les 5 subs. Attends, mais du coup, il faut que je mette duo Q et pas solo Q. Duo. Merde. Ok, là, on est tout bon. Et merci beaucoup pour les 5 subs. Et merci pour les 17 mois, Nadix. Ok, faut rapporter la hache.
Et après on verra pour le totem d'Irsine. Non, c'est par là. Nosliol, merci pour les 10 mois. Ok, ok. Ok, c'est par là. Putain! Je suis revenu! Attends. Ah non, 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 c'est vraiment par là. Attends. Oui, 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 c'est la suite. J'ai cru que je devenais fou. Oh mon dieu, un tier 3! Un tier 3 s'est pris dans le filet! Oh, ça, c'est un très très gros poisson, ça. Merci beaucoup pour ce tier 3, monsieur. Mini Sephiroth, merci beaucoup pour le Prime. Merci beaucoup pour ça. Bon, on aura fait deux quêtes pour le prix d'une, quasiment. On aura dû faire un tout petit peu plus. Hop. Ah, vous avez la hache. Et mon chien. Formidable. Ah, ah merde. Excellent travail. Une légende vivante et son fidèle compagnon récupérant un vieil artefact pour le prince. On se croirait dans un conte de fées. Ah, mais ça semble presque dommage de donner cette arme, n'est-ce pas? Je pense que vous pourriez me persuader. Non, 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 il faut donner le chien. Nous, ce qu'on veut, c'est donner le chien. Vous servez de la hache pour tuer Barbas. C'est aussi simple que ça. Ouais, reprends Barbas. Vous n'êtes pas drôle. J'imagine que je vais devoir trouver autre chose pour m'amuser. Avec le retour de mon chiot, je vais retrouver mes pleins pouvoirs. Le monde sera à moi. Ok. Attendez deux secondes, ça vibre. Allô? Oui, oui, le chien retrouve son maître. Ouais, Sardoche. Le maître retrouve sa hache cosmique et tout le monde est content. Ah merde! Bonne inquiétude. Ah, t'es pas dis... Ah, excuse-moi. Ah, une prochaine fois, frérot, une prochaine fois. Et il est pas dispo, là. Je suis désolé. Attends, du coup, il a récupéré son chien. Zaretiop, merci beaucoup pour le Prime. Merci beaucoup pour ça, garçon. Mais dans mes souvenirs, la statue de Clavicus n'était pas comme ça. Vous préférez que je reprenne mon chien ? Dommage. Dans mes souvenirs, il avait son casque sur la tête. Mais peut-être que c'était de mauvais souvenirs. Un tel manque d'ambition devrait être puni. Peut-être en vous transformant en asticot, ou peut-être quelques décennies à... Oh, parfait. Vous avez ma bénédiction et c'est réglé. J'ai des choses plus intéressantes à faire de toute façon. Oh oui, le masque de Vilclavicus. Je me souvenais plus quoi donner quoi. Je savais que dans les deux cas on s'en foutait, mais quitte à avoir un truc qu'on s'en fout, je préfère ça. Parce qu'on pourra le stocker à la maison et bah ce sera bien. Peut-être même qu'on pourra le désenchanter aussi. Alors maintenant, il fallait aller prendre les totems d'Irsine. Non, ramener les totems d'Irsine, faire une quête à la con des compagnons, et une fois qu'on a fait cette quête à la con des compagnons, la troisième quête pour le dernier totem d'Irsine, je crois. Ouais, je pense pas que tu peux le daze, mais c'est tant mieux en vrai. C'est un coup à les détruire sans le vouloir. Bon, sinon, vente chez Biche. Nouvelles emotes ou pas? Avez-vous des nouvelles choses? Ah, tu n'as pas cherché! NPS, c'est pas grave. J'en ai déjà eu 6 nouvelles qui sont excellentes. Bah mon con.
Alors, je cherche du travail. Un citoyen de Fort Divers a demandé notre aide. Il semblerait qu'un prédateur ait envahi. Allez, le classique, on va buter un animal et derrière on aura la quête pour le totem d'Irsin. Qu'est-ce qu'il faut les buter cette fois ? Quelque chose a changé dans les lunes. Ah, c'est vrai que pour le coup, trouver de la qualité, c'est dur. Faut pas remplir pour remplir. D'accord, c'est à Fort Divers qu'il faut se rendre. Mon travail est de servir le gars. Maison de Kraldar. Ah ouais, bro? Ah voilà, c'est fini. Et maintenant on retourne à Blanche Rive. Deep Beagle, merci beaucoup pour les 300 bits. Non, il faudra que Robalas m'apprendra à les faire. Non, il faudra que Robalas m'apprenne à les faire. Avec les barres qui se remplissent toutes seules et tout. C'est incroyable, incroyable. Et là, on va aller chercher le dernier totem. Enfin, je crois que c'est le dernier. Vous m'avez traité comme un ami. Vous êtes quelqu'un des... Beau travail. C'était une tâche assez simple, mais l'argent n'est pas de refus. Travail, voilà, les fameuses recherches. Ça n'a pas été facile. Voulez-vous m'accompagner ? Nous chassons. Ouais, mais je crois que je vais vite arrêter. J'aime pas trop l'ambidextrie. Ok, petite sauvegarde. Il faut se rendre en bas. À la tour de guet d'Épervine. On va partir de la Syrie Milune. C'est là où il y a un couple de vampires qui coupent du bois. Ils sont là, ils sont tout gentils, ils coupent du bois. Attendez, faut que je voie un truc. Il y a Macron qui m'a envoyé un DM. Je règle ça vite fait et on est bon. Alors, Macron, Twitter, ok. Ok. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, il fait que me parler. Bon, c'est reparti pour la quête. La tour de guet d'Épervine, ouais c'est bien ça, on doit aller chercher le dernier totem d'Irsin. Il y a Aeda qui m'accompagne du coup. Warbeck, merci beaucoup pour les 3 mois d'abonnement. Merci garçon. Tour de guet d'Épervine. Attends, je crois qu'il y a une araignée géante ici. Je me rappelle d'un truc. Notre rôle. Parce qu'il y a un nécromancien qui zone ici. Et je crois qu'il a une araignée de compagnie ou un truc comme ça. Ou peut-être qu'elle est dehors l'araignée. Je sais pas. Là il y a un filon, faudra aller le prendre après. Ok, il y a un mage un petit peu énervé par ici. C'est quoi ? Arrête ! Je peux jamais faire coup puissant, elle me vole toujours ma vigueur. Bah, c'est de la triche. C'est de la triche en fait. Ok, ça suffit maintenant les conneries. C'est vraiment des mitraillettes les mages. Ok, là-dedans il y a un point de conjuration.
totem de loup-garou, là y a ça. Mais je n'ai vraiment jamais fait ces quêtes. Mais du coup, c'est juste des artefacts qui disposent de manière random dans des endroits que t'as déjà fait. Petit filon de fer, bro. Ouais, il y aura peut-être d'autres filons, mais je pense pas. Après, il y en a certainement dans le coin qu'on voit pas. J'ai entendu le bruit d'un loup, je me disais bien. Il faut se rendre à Blanche Rive, du coup. Attends. Non, faut parler à Ella. T'es où? C'est vrai, ça, elle est où? Ah, elle est là! Mais elle est stuck! Elle est stuck entre le rocher et la brouette! Cela ressemble effectivement à la description du totem que j'ai lu dans le livre de Skior. Alors, est-ce que je vais avoir fini les trucs des compagnons, du coup? L'avez-vous? Mais oui, je l'ai. Pourquoi tu me le demandes toujours deux fois? Elle a des pertes de mémoire immédiates. Il paraît que la garde de l'aube est en pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires maintenant, dans le vieux fort près de Fayette. T'es bien renseigné, toi. Ok, on a du coup ramené le dernier totem. Et maintenant, peut-être qu'il faut la laisser prier au totem. Ils sont bizarres, ces trucs. D'accord, et maintenant? Vous êtes quel... un citoyen de... Il semblerait qu'un prédateur est en... D'accord, on va aller buter l'animal pour voir si, une fois qu'on a buté l'animal, on a une nouvelle mission bizarre où il n'y a plus que des animaux à buter. Quelque chose a changé dans le... On va voir. Quelque chose a changé dans le lieu. Allez, on va aller buter un truc dans une maison à aube étoile. Il y a eu un bruit bizarre là dans mon oreille. Un dialogue qui a commencé au moment où je partais, du coup ça fait un bruit bizarre, je pense. De rien pour votre Lessia... Ah, j'ai eu un bug. De rien pour votre Yes Life. Quoi? D'entrer le jeu comme ça? Sunli, merci beaucoup pour l'abonnement. Oh, et Warbeck, merci pour les 3 mois, je sais pas si j'avais dit. Il n'y a plus rien à part les aider à perdre la lycanthropie. Lycanthropie. Oui. Tico One, merci pour le Prime. Du coup, ça c'est fait, on va voir ce qu'elle nous dit. Et là maintenant, on va aller parler aux autres chefs des compagnons. C'était vraiment le stream compagnon aujourd'hui. Full compagnon et contenu exclusif. Bah bordel. Sans Vignard, je serais mort. Ok, maintenant. Le propriétaire de cet endroit doit être... Et maintenant. Le Jarl d'Epervik. Il semblerait que des prédateurs aient élu domicile dans... Quelqu'un doit aller s'occuper des bêtes. Ah non, bah là ça va être que des quêtes d'extermination animale. Et si on parle à... La mission est délicate. Une riche famille. D'accord. Donc c'est des missions à la con en fait. Attends, là il y avait... Oui, là c'est Epervin. Ah, oui, ils m'ont tous les deux donné la même chose, je crois. Je ne pensais pas que quelqu'un... Vilkas a dit que Aylan ne vous a-t-elle pas déjà donné du travail? Si vous avez des questions, terminez. Aylan vous a-t-elle... Ah, c'est bien ce que je me disais. Elle n'avait pas encore fini, du coup, ils m'ont tous les deux donné la même quête. J'étais tellement déçu par la fin de la quête de la forge de Wemmer, j'ai le TF4 direct. Oh, je peux comprendre, c'est vrai que c'est pas une récompense qui te change la vie, vu tout ce que tu dois faire, mais...
Mais je trouve que ça reste une très bonne quête parce que... Bah, c'est une quête qui te force à te faire plein de trucs, tu vois. En fait, je pense qu'il faut se dire que dans plein de situations, ce n'est pas la récompense qui compte, mais le voyage. De rien. Datrine et Draconax, merci pour les abonnements. Est-ce que je vais mourir? Aïe, 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 bro. Ok, non, c'est bon. Ombre noire, nouvelle découverte. C'est bien là qu'on doit aller. On doit vider un repère de trolls. Ok, on les entend. Et une fois qu'on aura buté les trolls, je suis curieux de voir ce qu'ils vont me demander, mais je pense que ça va être rien d'autre que extermination animale en boucle. Hein. Vu qu'on a fini pour les totems d'Irsine, ça c'est les fameuses quêtes de fin de guilde où tu peux faire une mission à la con générée en boucle. Ok, encore un. On est bon ou pas? Non, je pense pas qu'on est bon avec juste deux trolls. Ryo TV, merci beaucoup pour les 28 mois. Peut-être qu'avec 3 trolls, on est bon. Quoique non, le truc a l'air... Putain, le truc est massif. Niveau 80, je vois un prochain truc à prendre demain. Ok, encore un de moins. On peut les supprimer celui-ci maintenant. Pas des coffres, des cadavres ou quoi que ce soit qui traîne à fouiller. Ouais. Là-bas. Ok, il y a deux passages. Parce que nous, on est arrivé de là. Attends. On est arrivé. Ouais, on est arrivé de là. J'ai envie de voir ce qu'il y a en haut. Mer de la nuit, c'est la pire. Bon, c'est un peu toutes les mêmes en vrai. Compagnon, tu vas avoir des trucs d'extermination animale en boucle. Confrérie noire, t'auras des random assassinats en boucle. C'est plus ou moins toujours la même chose, les guilds, quand t'as la mission infinie, tu les as finis. C'est, ils t'envoient buter un truc random à droite à gauche. Ok, donc c'était bien un peu plus de loot. Maintenant, on va aller voir par là. Dwizzy, merci pour le prime. Ok, là il y a le dernier troll. Je sais pas encore ce que je vais en faire de la confrérie noire. Pour le moment, je la mets de côté parce que je sais pas ce qui se passera pour ce personnage. Peut-être que pour une fois, plutôt que de suicider brutalement mon personnage d'un coup, je prendrai le temps de lui faire une lente descente aux enfers et que. La fin du personnage se fera peut-être en 15 heures, tu vois. Pas d'un coup, pouf, c'est fini, mais... Une lente descente aux enfers, genre d'un coup il devient... Un assassin, un voleur, un vampire, un cannibale. Il se passe des choses sombres. Un invocateur et il fait des rituels dans son manoir. On verra. Peut-être que je dis ça et qu'il va sauter en haut de la tour des mages, comme d'habitude. Go capturer le truc des mammouths sur la route, là. Je pense que si je ne vais pas pisser dans les 5 minutes, je vais exploser. Il serait donc sage d'aller le faire. Non, la fameuse idée de faire un let's play hardcore une seule vie et si tu meurs, c'est fini.
On s'est déjà demandé et non. Il y a trop de chances que ce soit nul. Il faut que je fasse un peu de place. On va se bagarrer avec le géant tant qu'on est là. Tiens, on va hop. Ça qui est trop bien avec les géants aussi. Exactement, ils sont là, ils te mettent des gros coups de pied, des gros coups de masse, tu pars leur coup. Et ils te donnent full parade. En vrai, je suis pas loin de mon niveau là. Allez, ça vaut le coup de... Voilà, exactement. Allez, on va se faire plaisir, un petit point de vigueur. Soyons fous. Le point, le reste de... On le garde de côté pour le moment. C'est vrai que c'est un peu ma passion de parer les coups. Ouais. Par contre, je commence à être sacrément lourd. Il faudrait que mon personnage aille se vider un coup. On pourrait faire une double vidange. IRL et IG. Go. Go récupérer la quête d'abord. Et Edwizy, merci pour le prime, je sais pas si j'avais dit. Ha ! Orteil plus blé, non. Pas de potions, pas les potions maudites. Pas les potions maudites pour farmer l'alchimie. Avez-vous des... Voilà. Oh, pourquoi pas prendre encore un truc, hein. Il semblerait qu'un prédateur ait envahi les... Je savais que nous pouvions compter sur vous. La brèche. Occupez-vous-en tout de suite. Il ne faut pas laisser une bête sauvage rôder par ici. Spectre de glace. Bon, écoutez, c'est la dernière quête qu'on prend. Parce que là, c'est tout le temps la même chose, on tourne en rond. Ok, faut que j'aille buter un spectre de glace ici. Après, le bon côté de prendre toutes ces quêtes, c'est que ça me force à me balader. Découvrir des trucs. Des nouveaux lieux. Trop bien, Narcus, avec ses débats sur les ligues fermées. Il régale à chaque fois, il ne déçoit jamais. Non, pas de pause pipi, on finit la quête d'abord. La liste est faite. Jure vendre chez une liste des mottes. Vous parlez de ça? Encore des nouvelles emotes? Il y en a 4. Liste refusée. Je vais vous expliquer pourquoi. Il me reste 5 emplacements d'emotes. Si j'en prends que 4, il en restera une et ça va me trigger. Revenez me voir quand vous en avez 5. À 5, je le fais. Comme ça, on est tranquille. 4, ça donnera une sensation de travail pas fini. Ça va, les gars, vous êtes 2. Vous connaissez bien Twitch. Trouver une IMO de BTTV, ça va pas être si dur, non? J'avoue que j'ai un peu déconné sur les V-Bucks. Il y en a des trucs qui sont butés sur la route. J'ai pris la grotte quoi là? Ah, il y a un fort. Ah non, les gars, j'ai pas le temps pour vous. J'ai pas le temps pour vous, bande de losers. Ok, pierre de Shore, il faut aller où maintenant? Parce que c'est un putain de spectre des glaces qui est rentré là-dedans, du coup. Quelle histoire. Sortez ce monstre de chez moi. Elle a l'air bien sereine, pourtant. Bon, ça suffit. Tu arrêtes. Ok. Ok. On va aller récupérer la récompense.
récompense, pause pipi et peut-être emote. Peut-être. Honte. Je sais pas quoi dire en fait, Kylian. C'est une honte ce que tu écris. Une honte sans nom. Vous êtes quelqu'un. Ah voilà. C'était une tâche assez simple, mais l'argent. Ok. Bon, bonne chose de faite. Quelque chose a changé dans les lunes. Écoutez, on va aller se poser à Corberock parce qu'il y a des musiques sympas là-bas. Le capitaine Gialo. J'avoue qu'il met bien pour le coup. Alors, quelle heure est-il? Il est trop tard, il faut attendre un peu plus pour que les marchands se mettent au travail. Ok, on attend un peu. Encore un peu, encore un peu. Encore 3 heures, je pense, pour qu'ils se mettent à taffer. Ok, ça se met à taffer, c'est cool. C'est toujours un plaisir. Je vais me mettre là, comme ça vous allez avoir une vue d'ensemble. Ok, je refasse, je vais aux toilettes. Relais frérot. Du coup, fallait crafter des trucs et vendre des trucs. La liste des 5 emotes est prête. Allez, on va tout faire dans la foulée. Du coup, il faut réouvrir Discord et une page BTTV. Après, j'espère que je vais la valider parce que si je la valide pas, ce sera pas fini. 93 messages. MNP, vous avez tout, vous avez tout. Alors. Oh, effectivement, c'est des emotes sympathiques. Ok, on va aller chercher ça. Alors, hop. Et oui, c'est bien ça, il me reste 5 emplacements, emotes. Et c'est parti pour chercher ça. Alors, on va commencer par la première. Incroyable, je vais avoir un Sasuke. Ah bon? Je l'ai mal écrit? Ah ouais, d'accord. C'est deux comme ça. Ok, c'est ajouté. Ok, et celui-là maintenant? C'est vrai que celui-là, il est bien. Alors, faut trouver le plus utilisé pour pas se gourer. Non, c'est pas le bon. Problème des emotes comme ça, qui sont trop utilisées, c'est qu'elles ont 12 milliards de versions. Et pour trouver l'original que tout le monde utilise, c'est un merdier pas possible. Oh bordel, c'est une galère.
Ah, vous m'avez déjà mis les bonnes. Mais ouais, mais... Oh, vous avez travaillé dur. Oh. Vous avez travaillé dur, en fait. Ok. Et... Ok. Putain, je savais pas que je l'avais pas, celle-là. Vas-y, go l'ajouter. Go ajouter celle-ci aussi. Et... Ok. Ok, là on va voir ça. Ça arrive, hein, les emotes arrivent, les gens. T'as tant d'emotes en astream. Du coup, voilà. Du coup, maintenant, mon propre truc, voilà. Voilà. Alors, il faut aussi faire ça. Et... Ok. Ok. Bah on a tout ce qu'il faut. Maintenant, faudra attendre. Faudra attendre 5-10 minutes que ça s'actualise et on est bon, les gars. Alors, qu'est-ce que je voulais faire, moi? Je voulais vendre des trucs. Je m'appelle Glo. Vous voulez vous protéger ou faire des dégâts? Alors, on vend ça... Ah, on peut le vendre. Non, faudrait le garder de côté quand même. Voilà. Ok, on va lui prendre ses trucs. Comme ça, il aura plus d'argent. Pour lui revendre des trucs, peut-être. Ouais, ça va. Son stock a pas mal monté. On peut lui vendre ça. Dites à Crécius qu'il ferait mieux de me rendre cette pioche. Hey, faites attention. Vous venez pour acheter quelque chose. 21 crochets. On lui prend ses petites gemmes spirituelles. Voilà. On lui prend sa peau. Et faut lui vendre des trucs aussi. Voilà. Et dans les parchemins aussi. Allez, on accepte à ce prix-là. Et maintenant, faut faire des pots. Faudra mouler des trucs aussi. Ah ouais, y'a de quoi faire. Bon, on va faire un petit paquet de bandes de cuir quand même. Voilà, j'espère que ce sera bon. Je ne vous préviendrai qu'une seule fois. Ok, je vais faire un petit F5, on va voir si ça marche de mon côté. Effectivement, ça marche. Bon bah maintenant, faudra attendre mes prochains mois pour avoir 4 nouvelles emotes. Mais ça m'est déjà bien. Tant d'emotes de gagner aujourd'hui. Vous êtes ici pour les pluies d'étincelles. Du coup, dague de fer. Alors, cuir. Ah, il va me falloir plus de bandes. Ok. Quelques bandes de plus et on les fine. Je pense que si on en fait genre 4. 1, 2, 3, 4. Wait, et Custer habillé, merci beaucoup pour les abonnements. De nombreuses personnes ici cherchent. Tout pile, tout bon. Est-ce que t'as encore de l'argent pour m'ajouter mes trucs? Ah, pas grand chose. On lui fera un prix, tant pis. Ok, ça on va les rendre à la maison. Tiens, je te donne. Tu sais quoi, je te donne. Je te fais des dons. Dites à Crécius qu'il ferait mieux de me rendre. Ok, ça c'est fait. Ah.
Ah putain. En vrai, GG bombe chez Biche. Les 11 émotes de plus que j'ai sur mon chat, qui ont été rajoutées au cours de ce stream, elles mettent sacrément bien. Zacharep, merci beaucoup pour les abonnements. Non, non, ça c'est bon, ça on a fait. Ça, il n'y a plus besoin, là, ça suffit. On va aller à la maison ranger le masque de Vilclavicus. Voilà. Et... Où est-ce que c'était ? Voilà. Oh bordel ! Il était soudain celui-ci ! Putain de merde, il était vraiment soudain ! Oh. Alors... Ok, c'est la fin officielle des Altab, y'en a marre. Arrêtez d'Altab mon live. Faut stop the count là. Là faut aller à Blanche Rive voir le père Bellator, lui vendre nos conneries. Pitié monsieur Bellator, achetez toutes mes merdes. Quoique non, il aura pas, il a pas assez de sous. T'inquiète Azurael, ça viendra forcément un moment. J'ai quelque chose pour à peu près tout le monde ici. Faites tout est un... Bon. Un peu de tout. Sub goal, j'arrête d'Altab en live. En vrai, il serait très dur à tenir. Hein. Parce qu'après que le sub goal il serait fait. Tu vois, j'aurais plus le choix. Je serais là, je serais coincé. Revenez donc. Claude Tyrell, merci beaucoup pour les 19 mois. Je pense. Jamais j'arrive. Impossible. Il y aura forcément un moment où il y aura besoin, tu vois. Bon, on a fait plein de choses. Tuer Orshendor. Peut-être que le moment est venu de buter Orshendor. On pourrait essayer. Ça ferait un paquet de quêtes de compléter. Ça on veut pas. Ça on veut pas non plus. Ça c'est un truc avec des Falmeurs, je veux pas. Ah, ou peut-être qu'il est venu le temps. Les gens. Rasoir de Mérunès. En vrai, c'est une bonne quête, Rasoir de Mérunès. Ça te fait voyager et tout. Allez. On démarre le Rasoir de Mérunès. Allez bien, cette quête. Parce que tu dois récupérer les fragments de la dague. Du coup, ça te fait pas mal voyager. Et derrière, la fin de la quête est bonne. C'est une masterclass tout du long, cette quête. Go la faire. Ce n'est pas ce que vos ancêtres voudraient, Silus. Pourquoi devrais-je m'en cacher ? Oui, oui, bien se passer. Le musée l'invitation. Ah, vous voilà. Parfait. Entrez. Flânez entre les vitrines et discutons. Vous m'avez l'air parfait. Allez, ça me semble honnête. D'accord, il veut en parler uniquement à l'intérieur. Si vous changez d'avis, monsieur est du genre discret. Allez. Ouais, mais ça m'aiderait même pas à Wador parce que, encore une fois, je pourrais pas les améliorer. Et putain, j'aime vraiment pas le design. Avez-vous des questions au sujet du musée ? La dague de Mérunès, une fois qu'on l'a, on la rangera à la maison de toute manière. Donc on fera pas de règles en rapport avec cette dague comme on a pu faire par le passé. Parlons du travail. Commençons par une petite histoire. Après la crise d'Oblivion, plusieurs groupuscules se sont formés avec pour ambition d'éliminer les vestiges de l'aube mythique. L'un de ces groupuscules, c'était il y a près de 150 ans. Au moins deux de leurs propriétaires, Gunzul et Draskua, sont de dangereux maraudeurs. Du troisième, voici les noms. Ah oui, il y en a un, tu peux juste le voler ou marchander avec lui. Sans questionner et ça passe. Si vous me rapportez ce ok, donc on doit rapporter les trois fragments de la dague de Mérunès. Les fragments du passé. Donc il y en a deux qui sont gardés par des chefs de bandits. Et un qui est mortal. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a un truc... Je sais plus c'est quoi l'histoire. C'est une histoire d'éloquence. Ou peut-être lui rendre service. Ou alors carrément le voler. Je sais plus, mais c'est facile. Il paraît que la garde de l'eau est en sujet.
À moins que ça concerne la Syrie, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah, il me ment. J'ai entendu parler de lui. Mon père a... Je n'en ai pas besoin. Ma famille a perdu 8 générations à protéger cette dague d'un culte. Ça m'est égal, mais pas à mes ancêtres. Ok, on pourrait essayer de lui faire peur. Du calme, voilà les clés. Oh, let's go! La poignée se trouve dans un coffre, chez moi. Mais ne faites de mal à personne. Il y avait juste à menacer de lui péter la gueule. On pourrait prendre ça pour l'autre quête. Ruyo TV, merci pour l'abonnement. Elle se cache à l'intérieur avec ses visions. C'est un vrai chien. Ah oui, c'est vrai, c'est le sous-time. Une mystique. Comment le pourrais-je? Elle ne nous parle. Et maintenant, non. Nous ne pouvons compter que sur nous. J'imagine que, sans oublier, que faire si on ne peut plus se tourner vers notre Jarl pour nous aider? Ok, bon, quand on aura envie de prendre la quête, on pourra la prendre facilement. Alors, il suffit d'aller chercher le fragment qui est chez lui, et je crois que c'est ça sa maison, si je me rappelle bien. Oui, voilà, c'est ça. Giga Gamebreaker, je pense pas, Ruyo. Je pense pas qu'on puisse considérer ça comme étant Gamebreaker. Mais c'est un sacré confort de vie, ça c'est sûr. Je pense que c'est même pas considéré comme du vol. J'ai la responsabilité. Non, vu que j'ai menacé de lui péter la gueule, j'ai le droit d'absolument tout prendre dans son coffre. Compris. Mais pas autre part. Oh, regarde, là on parle. Oh, regarde, j'ai aucune prime. Alors, il faut... Ah, ça m'indiquait au bétoile, ça m'a mené en erreur, ça. Parce que du coup, il y en a un là, et un là. Le fort de Cascorn, on l'avait déjà sur notre carte. Bah écoutez, c'est le moment. On va clean deux repères de brigands, récupérer le rasoir de Mérunès, et c'est parti. On va se la donner, mes vilains. Ah ouais! Il a vite changé d'avis, lui. C'est full orc. Full orc pauvre. Pauvre et faible. Ah, par contre, c'est bien, ils ont de la peau sur eux. On va prendre la... Ah non, pas ça. Je veux dire, il faut de la peau parce que... Attendez. Voilà, go manger ça. Parce que ça nous permet de faire du cuir et donc d'upgrader de le forgeage. Ouais... Ok, lui, il a rien qui m'intéresse. Là, il y en a un autre. Bro, ils sont misérables. Je pense que leur stat a jamais augmenté, à eux. Ils sont restés à leur grade de base en perma. Oh, ça s'appelle bien, ça. Dommage, j'avais déjà. Alors, oui, c'est en bas. Et du coup, faut aller buter le chef du clan. Je regarde un peu tant que j'y suis. Hein. Skytech, merci pour ton prime. Ok, sont-elles plus forts ici? Ah, pour le moment, lui, pas vraiment. Ok, là, ça mène à quelque chose en bas. Oh, bordel! Ce donjon est misérable. On one-shot tout. Les mobs n'ont pas level up. Toi là, Gunzul. Ah, toi t'as l'air d'être un bon. Voilà, avec toi on peut se la donner. Faut que je me remette bien. Bordel, mais il part tous mes coups, le salaud. Putain, il a du répondant quand même. J'ai cru que j'allais devoir muer à nouveau. Allez-y. Allez-y, monsieur, oui. Alors, on va lui prendre ça. On va lui prendre ça, ça, ça. Y'a quoi dans le butin? Des trucs pas mal quand même. En même temps, je suis quel niveau? 39? Putain, je les ai pas vus passer. Qu'est-ce qui est en hauteur? Faudra retourner, il y avait une pièce souterraine aussi.
Peut-être qu'il y a un petit coffre qui traîne, c'est pour ça que je fais ça. Non, il n'y a absolument rien. Et en plus, on aurait pu y accéder de là. Enfin, je crois. Oui, oui, c'est bien ça. Alors là, c'est pour aller chercher le pommeau, mais attendez. Où ? Oh mon dieu, vous êtes d'une idiotie affolante. Ça ne mérite même pas d'être insulté tellement c'est ridicule. Cringe. Cringe avec une majuscule et un point. Backseat, plus les mecs ne disent même pas vraiment où c'est. Ah, pour le coup, c'est purement cringe. Ça, c'est du coup l'autre entrée qui pouvait mener à bord de ciel. Mais attendez, je vais remonter. Ah, je sais pas où il est. Il était dans mon champ de vision un moment, mais je sais pas où il est le coffre en question. Bon. Tout ça pour certainement quelque chose où il n'y a pas beaucoup de trucs intéressants dedans, mais... Ah, le voilà. Oh, un coffre de maître. Un coffre de maître. En vrai, biche, on pourrait les punir avec un bet qui va faire que 50% du chat va perdre des poids. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, je pense. Du coup, est-ce que je vais casser, j'insiste sur casser, non, plus de 5 crochets, plus que 5. C'est ça la question. Attends, faut que je laisse les gens parier un peu. J'attends un peu. On va attendre une dizaine de secondes à peu près. Ombre Evasio, merci beaucoup pour l'abonnement. Allez, on compte encore jusqu'à 10. 10. Enfin, dans le sens inverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Alors, faut essayer de vite trouver le point faible. Ah, c'est pas bon, ça. Et dès le début, j'avais l'impression qu'il y avait du jeu, mais en fait, non. Je suis à 3 de casser, je crois. Bordel. Ah, c'est là. Ok, je suis à 5, je crois. Ah, dommage. C'était un tout petit peu plus haut, en fait. Ah, merde. Oh, j'étais à 2 doigts. Encore peut-être un tout petit peu plus vers la gauche. Aïe, 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 aïe. Oh, c'était là. Putain, j'étais vraiment pas loin plusieurs fois. Hein. Ok. Je crois que j'ai pas l'enchantement de résistance au feu en plus, c'est bien ça. Garaton Huc et Culture Gator, merci pour les abonnements. C'est par là, oui. Et là, du coup, il y aura pas d'ennemis, il y aura que des trésors partout. Ouais. Ouais. Tiens, go prendre la peau. Tiens, j'ai combien de poids sur moi? Il y a encore de la place. Go prendre ça, go prendre ça, go prendre ça. Ça aussi. Et ça aussi.
tiens des coffres là. Ouais. Ouais. Le son aigu des soins dans les mains me fusille les oreilles. Bah, figure-toi que j'étais en train de me dire la même chose et putain c'est chiant. J'approuve que c'est chiant. En fait, tu t'en rends pas compte quand tu sors juste pour te soigner un coup et que ça va vite. Mais si tu le laisses actif comme ça, c'est très chiant. Ok. On a pris des fragments de dague en plus. Et il en reste plus qu'un à aller chercher. Et c'est l'endroit le plus chiant parce que pour y accéder, c'est compliqué. T'es obligé de faire un espèce de détour au je sais plus où là. C'était particulier. Ouais, tu vois, je vais être obligé de faire une espèce de tour pour m'y rendre. Ça va être complexe. A chaque fois, c'est un moment galère à cette quête-là, je me rappelle. Mais bon, on va réussir comme à chaque fois. Ce sera juste bah, plus ou moins long. Ah, et aussi, il y a un truc important à faire, c'est de mettre un repère. Parce que sinon, je peux confondre les points. Et ça, c'est pas bon. Ah oui, il faut... pour accélérer la quête. Et là, on pourrait parler. Il paraît que la Bravo et Gad sont les seuls survivants. Je suis sûr. Mais c'est de la folie. Vous ne pouvez pas affronter. Voilà. Carte mise à jour. Débarrasser la mine des parjures. Ce sera une bonne quête à faire quand j'aurai envie. Et pourquoi le lien il s'est pas mis? Enfin, pas le lien, le. Le voilà quoi. Et il est où mon point? Pourquoi il marche pas? Bah, c'est un peu chiant. Et du coup, nous, c'est celui-là qu'on veut. C'est celui à droite. Go buter la chèvre. Oui voilà c'est ça, c'est l'imo de Pogo là, c'est un peu quelqu'un qui te regarde de manière surprise mais surprise négativement tu vois. Disons que c'est pour exprimer du cringe, mais pas un cringe trop intense. Je pense que c'est ça. Putain, il y a tellement de trucs à tuer. Ouais, voilà, exactement. C'est une sorte de thé chelou, frérot. Attends, il y a la marchande qui se fait attaquer, là. Elle se fait attaquer par quoi? Par des hippies! Oh, bordel, il cogne. Oh, putain, il y a deux pilleurs par jour, ils vont me saigner. Ok, un de moins. Attends, mais la marchande, elle donne tout. Mais ils vont la buter. Bon, bah tant pis, faut bien qu'elle tanque. Ils sont trop forts, les pilleurs parjures. Faut pas que je me gourre, parce que sinon, je vais taper dans le cheval ou la marchande. Et ça va être problématique. Vous allez mourir, oui. Voilà, un fourrageur, ça, c'est faible. Ça, on aime. Faut pas se gourer. Ok, voilà. Mais de rien. Et bah, oh, elle a rien à vendre. Ah si, on peut lui prendre ça.
D'accord, merci. Oui. On pourrait prendre la forteresse Orc sur la route. Il y a quand même des trucs sympas là, pas loin. Allez, on continue. Go buter le crabe aussi. Bah non, je lui vends pas de... Ah, j'aurais pu lui vendre quelques potions, c'est vrai, mais en vrai, elle avait tellement pas de gold que ça m'a pas donné envie de lui vendre des trucs. Elle faisait pitié, elle était gênante. Du coup, j'avais pas envie de faire du commerce avec elle. De récupérer les pots. Deuxième fois qu'on l'a au cours du stream, celle-là. Quasiment sûr de l'avoir jamais vue avant. Elle est peut-être pas jamais, mais très rarement. Bonjour M.Alderiat. Dois-je dépenser mon prime chez vous? Si oui, pourquoi? Bien à vous, cœur. Eh bien, je te suggère fortement de dépenser ton prime chez moi, oui, effectivement. Et si tu demandes pourquoi, eh bien, la liste est bien trop longue. Il y a tellement de raisons de sub chez moi. Mais vraiment, je te conseille de le faire. Chaîne fournie en emotes, emotes de qualité, un large choix d'emotes BTTV sur la chaîne. Je suis régulier un siècle sur deux, mais vu que je suis parti pour une période multigaming, je pense que je vais être régulier pendant au moins un mois. Vu que je vais rentrer dans le cycle Skyrim Darkest Tower Defense. Donc ouais... Ouais, il y a plusieurs bonnes raisons, ouais. En plus, je suis assez cool, charismatique. Tout le monde m'adore. Non, vraiment, je te recommande. Doc Duberne, merci beaucoup pour les 2 mois. Les 22 mois, pardon. Et Prof Panda, merci pour ton prime. Non, ça, on ira voir plus tard. On ira voir plus tard et on va aller là. Merci pour ton prime, du coup. Très content de t'avoir convaincu. Oh, regardez-moi toutes ces putains de chèvres. Regardez-moi toutes ces peaux. Ces peaux avec des pattes. Oh merde, j'ai plus d'endurance. Ok, t'es fini. Ok, let's go. Merci, Kingu. Oui, c'est vrai qu'ils sont super cool. Peau de chèvre. Et il y en avait une autre ici, let's go. On a rien gâché. On respecte l'animal. Sa peau est utilisée, l'animal est respecté. On ne gâche rien. Halt. Oh non. En vertu du code de Malakat, nous n'allons pas vous tuer. Mais nous ne voulons pas de vous ici. D'accord. Ah, mais oui, les mains du forgeron! Trouver les mains du forgeron, ça, c'est une très bonne quête. Ça me permettra de mieux améliorer mes armes et armures. Et ça, c'est super cool. Oh, let's go, il y a un ours par là. Sur elle. Il y en a deux, c'est bien ce que je me disais. Oh bordel. Ok, on peut récupérer de la peau. Mais je bute tellement d'animaux en ce moment que, à force de récupérer toute leur peau, je vais être full juste avec ça en fait. Je vais même plus être full avec les loots des gens, je vais être full avec la peau des animaux.
Je regardais mes thunes. Parce que c'est vrai que j'ai l'autorisation d'acheter une maison à Solitude maintenant. Du coup, quand j'ai assez d'argent, faut pas hésiter. Bon, ça c'était juste pour le plaisir. Oh oh! J'ai pris l'aggro de trucs. Je pense que c'est des parjures, mais je suis pas sûr. Riff pur. On va aller chasser une petite chèvre. Oh merde, des mages. Ah, y'a moyen que ce soit des vampires. Ouais, je me disais bien. J'avais souvenir de souvent tomber sur des vampires quand je passais sur cette route. C'est vrai qu'il y a souvent une bande de vampires qui se balade ici. Ça va, ils sont pas de rang élevé. J'ai de la chance, faudra voir pour le dernier. Elle s'est mise en hauteur. Ah, les armures de vampires, c'est un bon prix en vrai. Ah, ils ont buté un loup-garou. Incroyable. Des vampires et des loups-garous qui se la donnaient. Ok, elle est dangereuse. Elle est dangereuse et en plus elle me hisse. Vampire marche-brume. Ok. Ok, nice. Oh, le clutch. Déstabilisation into lethal move. J'aurais clairement pu le perdre ce combat si j'avais pas eu cet RNG. Et du coup, c'est par là pour le truc en question. Ça y ressemble. Ça y ressemble, mais je crois que c'est un gros donjon. Faudrait peut-être faire un petit tour à Corberock pour vendre. Ok. Ah oui, c'est la redoute de Sorcerock, il y a deux grottes dans une grotte ici. Bon, on va aller vendre avant de la faire, cette fameuse redoute. Mais écoute. Ok, ça va. Elle nous a pas aggro. Du coup, on va pouvoir faire un déplacement rapide. Et c'est parti. C'est parti à Corberock pour vendre avec des marchands qui ont de l'argent. Parlez au capitaine Gyalund. Ah mais c'est vrai qu'ils sont jamais là. Faut vraiment avoir une sacrée RNG pour pop à Corberock et que les marchands soient déjà en place. Ah. Mais ils travaillent toujours pas. Messieurs, travaillez par pitié, par pitié. Bon, il y a le fourre-tout qui travaille, mais le forgeron il travaille pas. Vous avez trouvé ma pioche ? Je m'appelle ce qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armure. Tiens, on va lui prendre bande de cuir, cuir, lingot de fer, minerai de fer tant qu'on est là. Ça, je suis pas sûr d'avoir l'enchantement. Ok. Ça, je sais pas non plus. On va passer à la table d'enchantement pour être sûr de ce qu'on peut vendre. Nico the Slayer, merci à toi. Ah, c'est bien ce que je me disais, je l'avais pas cet enchantement. Il va être bien pratique. Et bah tiens, tant qu'on est là, on pourrait enchanter des conneries. Ouais, j'ai des petites gemmes insignifiantes. Ah, mais j'ai plus de trucs. On va forger. On va forger, enchanter, vendre.
Et acheter des gemmes au fourre-tout aussi. Oh, il va se passer tellement de choses en si peu de temps. Forger, enchanter, améliorer. En plus, on va choper les gants du forgeron pour encore plus s'améliorer. Dans le premier bas. On peut vendre ça. Let's go, t'as des crochets. Bande de cure également. Minerai. On va lui prendre ses peaux également. On va prendre ça. On va prendre ça. Nice. Oh, c'est super ça. On dégage tout ça. Ça, je sais pas pourquoi j'en ai. Ça, on va dégager aussi. Ça, on peut tout dégager sauf. Sauf les selles de feu. Ne surtout pas toucher aux selles de feu. Ça, on peut retirer aussi. Et tiens, maintenant que je pense aux selles de feu, l'alchimiste de la ville, elle a pas les selles de feu à nous vendre ? Si vous cherchez des mes potions et ingrédients vous intéressent ? C'est dans ingrédients. Non, elle a pas celle de feu. Tant pis. Bruno le salty, merci pour les 14 mois, mec. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais mouler et faire des pots. Mouler et faire des pots fast. Oui, donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ok, j'espère que j'aurai assez de bandes de cuir. On va voir. Faudra pas que j'oublie de les enchanter avant de les vendre. Ouais, non, j'aurai pas assez de bandes de cuir. Ouais, parce que là, regardez, cuir. Ouais, j'en ai beaucoup trop. Il y a peut-être un niveau de forgeage à gratter avec ce qui me reste. Waiting for le jeu de la mine ? Non, pas aujourd'hui. On en fera un demain, c'est promis. Mais pas aujourd'hui, faut pas trop abuser des bonnes choses. Promis, bro. Et là, on va faire tout ça. Ouais, ça devrait me donner un niveau, même plus en fait. Voilà. Bah mes connards ! Mais ils sont tous partis ! Bon tant pis, on retourne en bord de ciel. On va enchanter. Et on ira vendre à des gens de Blanche Rive. Si vous voulez faire la traversée, voyez ça. On va aller enchanter ici. Ils ont travaillé 5 minutes. Mais bro, Corberock, c'est insane. Ok, ils ont du stock. Ok, ils ont beaucoup d'argent, du coup c'est pratique, tu peux vendre beaucoup d'un coup. Mais il travaille de 18h à 20h. Pas une seconde de plus. Et c'est probable qu'ils arrivent en retard. GSTQ Arcane, merci pour le Prime. Bah, go faire des dagues de fer. Et du coup, qu'est-ce qu'on a ? Ah, on va faire des siphons de santé. Le menu est vraiment pas pratique, mais faut ce qu'il faut. Aussi peu pratique que soit le menu, ça monte plus ou moins vite. Et là, faut faire entrée puis R. Chalimarus, merci pour l'abonnement. Ouais, entrée R. Ouais, c'est ça. Tu prends l'objet, tu prends la gemme, tu prends l'enchantement, entrée R. C'est le cycle. Le cycle de l'enchantement. Qui m'a donné un niveau. Ouais. Alors, tac. Bah ouais, j'ai bien fait entrer. On va pouvoir prendre le niveau 60 plus avec ça. Ça me permettra d'aller chercher un autre point dans l'enchantement. Pas tarder à refaire les enchantements de mon personnage, je pense. Peut-être pas au cours de ce stream, mais certainement au cours du prochain. Ouais.
Non, dague de fer. Les sublimes, on les garde. J'ai 4 sublimes, c'est exactement ce qu'il me faut pour réenchanter tout un stuff. 4 sublimes. Oh ? Ce serait peut-être le moment de se refaire une... Oh ? Non, faut garder pour demain. Faut garder pour demain parce que si on se fait trop plaisir aujourd'hui, demain il y aura moins de dopamine. Faut savoir équilibrer la dopamine, faut la répartir. Ok, on a encore trop à faire. Non, biche, demain, demain. Demain, sinon je vais regretter nos fakes. Siphon de santé. Ok, c'est cool. Mirox, ça va bien, c'est pour les 10 mois. Tant qu'on passe à Blanche Rive, on pourrait prendre des petits points de compétence avec les entraîneurs, là. Alors certes, Xatak, je trouverai certainement quelque chose d'autre à faire demain, mais le fait d'avoir ça en tête, je serais plus content de lancer le stream, tu vois. Tu vois, garçon? Du coup, là, on va voir les entraîneurs. N'importe quoi, arme à une main, parade, archerie. Exactement, biche. Le cadeau pour le Alder du futur, toi, là. Kazura, arme à une main, allez, c'est parti. Donne-moi un peu d'XP en plus. Allez, j'ai envie de faire monter la vigueur à 150 parce que sinon c'est pas propre. Je peux vous apprendre quelque chose. Merci pour ça. Et là, du coup, les points. Les points d'enchantement. Voilà, boum. Un nouveau point, et pour ça. Pour ça, il faut être niveau 70, et ça qui est complètement broken, il faut être niveau 100, donc c'est pas tout de suite. Quoique le niveau 70, ça peut pas passer vite en vrai. Non, la ligue est bonne, Little Boy, c'est juste que j'avais fait, puis j'avais arrêté. En fait, ce qui s'est passé avec Path of Exile cette saison, et ma foi cocasse, et c'est pas la première fois que ça arrive, c'est quelque chose d'assez cyclique. C'est la deuxième ou la troisième fois que ça fait exactement la même chose. L'enchaînement est le suivant. C'est un enchaînement qui est arrivé des tonnes de fois. Je vais vous expliquer l'enchaînement. Je vais vous expliquer mon cycle. Ok. Non, c'est un truc qui est arrivé deux fois, je pense. Trois fois, c'est sûr que non. Mais c'est la deuxième fois que ça arrive. Parce que... ouais. Ok. Le cycle est le suivant. Et c'est la deuxième fois qu'il arrive. Ok, je vais réussir à le dire. Alors, je reprends League of Legends un peu avant la fin d'une saison. Je redeviens à un niveau correct avant que la saison se termine. Le souci, c'est qu'il y a la nouvelle saison qui arrive et la nouvelle saison de PoE qui pop plus ou moins en même temps. Du coup, vu que je suis dans une mentalité League of Legends, à ce moment-là, je me dis, fais chier. Elle est bien cette saison de PoE, mais je peux pas la faire, parce que faut que je me focus sur LoL pour reprendre mon niveau. Mais du coup, ça me donne l'impression de m'auto-enfermer dans League of Legends, jeu qui fait énormément souffrir, et ça fait que les games me frustrent deux fois plus, parce que c'est pas juste je tryhard League of Legends, c'est je tryhard League of Legends, et pour tryhard League of Legends, je m'interdis Path of Exile. Du coup, je burn out de League of Legends, du coup, je joue à Skyrim. Ce sont des chasseurs de vampires maintenant. No fake, hein! C'est pas la première fois que ça arrive. C'est exactement ce cycle. Et c'est exactement comme ça qui se passe. Dans ce sens-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette saison. Attends, il faut. Voilà. Voilà. Putain, mais mes dagues sont bien trop chères! N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez. Mais c'est bien dommage parce que du coup je me suis int ma saison. Parce que mon début de saison je l'ai fait aller une petite semaine en culpabilisant de jouer à PoE, au lieu d'être en train de tryhard LOL. Du coup j'ai pas vraiment enjoy. C'est un plaisir de faire affaire. Du coup j'ai fini par delete mon perso dans l'optique de tryhard LOL. J'ai joué une semaine et j'ai rage quit League of Legends. Du coup je suis doublement perdant.
Des arcs et des flèches pour... Alors, hop. On lui fait à ce prix-là. C'était un plaisir. Mais c'est vraiment dommage parce que la ligue est vraiment bien. Elle est excellente. L'une des meilleures qu'ils aient jamais faites. Et je me la suis int. Alors qu'elle est sortie il y a même pas un mois. C'est toujours un plaisir de rencontrer des combattants. Prenez votre temps. Je suis sûr. Miroxama, merci pour les 10 mois. Tout est avant. Regardez donc. Sline, merci pour le Prime. Revenez donc. Oui, rituel, c'est Irakor de toute manière. Puis bon, la saison a même pas un mois. Je peux très bien me refaire un truc plus tard, mais pas tout de suite. Là, je suis dans la tristesse et les regrets. Merci d'avoir donné un abonnement à Bellator, Auro le sang. Ok, il me restait juste quelques dagues à vendre, mais on pourra les vendre petit à petit. On retourne au donjon en question. On va aller faire ces deux trucs là. Non, je suis pas d'accord, Avanche. League, c'est pas un jeu de merde, c'est un excellent jeu. C'est un jeu qui fait beaucoup souffrir, mais c'est un excellent jeu quoi qu'il arrive. Même en ayant le jeu en pause, là, je te dis que League, c'est un super jeu. Mais, c'est un jeu dangereux. Et en général, t'enfermer sur League of Legends, ça ne marche jamais. Non mais no fake. Skullcandead, merci beaucoup pour les 2 mois de Prime. Oh bordel, un magicien. Pilleur par jour magicien. Bordel. Mais elle est si tanky. Elle a quelques plumes sur le dos et voilà, c'est un tank. Ça va bien maintenant. On va récupérer ça pour les vendre. C'était quoi ce spot de tir à l'arc là? Bordel. Qu'est-ce que c'est que ce coffre adepte? Peut-être qu'elle s'était mis un buff d'armure, oui. Mais elle avait surtout un grade élevé. Hop. Ouais, ça je viens de le prendre. Faire attention parce que les campements de parjure, il y a plein de trucs forts et médiocres mêlés au même endroit. Et t'es toujours obligé d'aggro à peu près tout le monde. Du coup, faut toujours rester sur ses gardes. Et toujours se maintenir full life, full endurance. Parce que t'es pas à l'abri d'un ronceur mage de feu qui déboule de nulle part et qui te one-shot avec une boule. Et pareil, les pilleurs ambidextres, exactement. Si te mettent leur enchaînement, c'est fini, ils te découpent. On va prendre ça pour les petites peaux là. Ah bah voilà! 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 Qu'est-ce que je disais? Bah mon con. On était là, on était persuadé d'être tranquille. Il y a un mec qui est débarqué en Naruto Run. Et il nous a power slice avec ses 2 épées. Il nous a pas slice, non, il nous a power slice. Cassé Madvas, merci beaucoup pour l'abonnement. Hop. Merci à toi, petit elfe des bois. Pour les 3 euros. Oh, aïe, il est là. Ok, il faut le cancel. Oh, bordel. En fait, il est prenable. Mais
Il est prenable si... Voilà, déjà ça faut surtout pas le prendre. Il faut avoir de la chance sur les cancels. Et faut se maintenir élevé en vigueur. Oh bordel de merde! Il m'a tué tellement vite que j'ai même pas eu le temps de lui faire le coup pour le déstabiliser. Oh aïe 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 aïe, mais la vitesse d'attaque du bordel! Peut-être que la table est la clé. La table est très souvent la clé quand tu joues à deux mains contre un mec qui a des armes à une main. Et voilà, c'est la clé! La clé! Oh putain, heureusement qu'il l'a fait dans le vent. J'étais pas loin de me le prendre. Voilà. On attend de regagner ça. En fait, je vais voir si je peux le décapiter. Je vais attendre qu'il se relève. C'est pas une décapitation, mais pas déçu. C'est un lethal move sympa. Bon, il en reste un qui nous tire dessus depuis tout à l'heure, là. Ah ouais, bro. Ah ouais, quoi? Putain, il y a même un troll dans l'histoire. Et il y a un autre pilleur parjure ambidextre. Ah, pitié, monsieur! Oh, putain, le troll qui se ramène instant. Ok. Ok, je crois qu'on a nettoyé tout ce bordel. Il y a du monde, hein. Ok, là, il y a l'entrée de la grotte. Là, parfois... En fait, je vous explique... Ici, quand t'es pas d'un niveau suffisant, t'es une énorme araignée, mais qui du coup est coincée et qui ne peut pas sortir de la hutte. Et là, vu que je suis d'un niveau suffisamment haut, bah c'est un troll qui a pris la place de l'araignée géante, vu que c'est plus fort. Et voilà, et c'est tout. C'est des connaissances qui servent à rien, mais de rien. Voilà, je vous le donne, c'est cadeau. Ok, et ça c'est quoi? Ok, c'est... Je suis pas sûr de comprendre à quoi ça sert. C'est genre un coin pour se recueillir. Ok. Et nous, c'est là qu'on veut aller pour le fragment de la... Du rasoir de Murunès. J'allais dire la Woutrade, mais non, pas du tout. Le rocher de la mégère. Ah, mais je crois que c'est ce truc cursed. Bon, d'abord, on va faire ça. La redoute de Sorcerock. Tant qu'on est là, on va gratter les deux accomplissements sur la map. Il y avait une porte là-bas. Attends, faut que je regarde la carte locale. Ruine de la redoute. Là, c'est pour le rocher de la mégère. Ok. On va casser ça et ça. Et c'est parti pour faire ce donjon. Et après on ira faire l'autre donjon. Donjon où il y a des mages qui se téléportent, je crois. Oui, les cartes locales dans Skyrim, c'est pas super simple de se repérer avec ça, mais... Ça aide un peu. Ça aide un peu. Ok, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Petit point de furtivité. Ah. Ah oui. Ah oui, toi tu es une merde. Un misérable parjure de rang 1. Skywrap, merci beaucoup pour les 4 mois. On pourrait crocheter ça. On va crocheter ça. Si j'avais déjà fait ça, Asta. Et c'était un sacré fiasco et j'avais joué un Khajiit. Monsieur Miaou, exactement.
Monsieur Miao qui a eu le droit à un best-of avec une miniature très maudite d'ailleurs. Ce brave garçon. Ça va être l'antre du ronce-cœur, voilà. Le problème c'est que c'est un mage. Ok, il a pris peur, ça a marché. On se remet de la vigueur. Ok, ça c'est pas bon. Faut réussir à le souiller le plus possible pendant qu'il a peur. Parce qu'en tant que mage de foudre, il est problématique le salaud. Ne te heal pas. Non, il est pas spéfute le mage. C'est parce que j'ai utilisé mon pouvoir de nordique dessus. Je peux le faire toutes les 24 heures. En gros, je pousse un cri. Et je fais peur à tout le monde dans la zone. Du coup, c'est pour ça qu'il répondait pas. Mais ça marche pas contre tout le monde. Il y a des ennemis qui sont trop puissants ou de trop haut niveau contre qui ça marche pas. Ok. Y a pas... Non, c'est un truc d'alchimie. Y a pas un truc d'enchantement. Ça, ça mène... Ça, ça mène à bord de ciel, donc c'était une autre entrée. Et ça, ça va mener à bord de ciel aussi. Voilà. Ah, mais ça, ça menait à ça. J'avais pas vu qu'il y avait une porte. Oh, oh, je trouve comment c'est chaud. Oh, c'est chaud sa mère. Du coup, là, on a bien accompli ça. Voilà. Et maintenant, on va aller faire cette grotte-là. Enfin, c'est pas une grotte, c'est une tour en ruine. Elle est pas vraiment une en ruine, en fait. C'est juste une tour. Le rocher de la mégère. Artamex, merci pour les 5 mois. Est-ce que c'est l'endroit que je crois ou... Ah, c'est peut-être pas l'endroit que je crois, en fait. Ok, je crois que je me suis trompé de lieu, en fait. On va voir, mais là, du coup, j'ai un doute. Ok, il arrive par là. Ah ouais, ça, on a déjà check. Ah ouais, non, je me suis trompé. Oh, bordel. Problème, problème. Nous avons un problème de mage. Wouah. Arrête. Déstabilisé, je t'en supplie. Adieu. Oh, bordel. Et j'ai plus mon cri de nordique. Ouais. Ouais, les mages, c'est quand même une sacrée saloperie. T'as intérêt à avoir un gros paquet de résistance magique. Sinon, bah, il se passe ça. Et pour le coup, je suis un nordique, donc de base, j'ai 50% de résistance au froid. Ce qui est énorme. Mais ce n'est pas suffisant pour ce mage de froid qui me souille malgré tout. Ok. Ah, mais mon perso est bugué. Le bug m'a tué. No troll. Ça m'a empêché de me replacer comme je le voulais. Ah, mais il y a un piège. En gros, quand tu fais une charge critique, parfois ton personnage ne s'arrête jamais de courir. Et du coup, je ne peux rien faire d'autre qu'un coup de base. Pourquoi mon personnage marche? Je comprends pas. J'ai des pics de glace en moi? Ah d'accord, j'ai un pic de glace en moi, c'est pour ça. Ah ouais. Ah, j'ai loupé le coup pour la déstabiliser, let's go. Ok. 1, 2, déstabiliser, s'il te plaît, fais chier. FF. Bah FF en fait. Si je la déstabilise pas sur mon attaque puissante, c'est FF instant.
1, 2, ok. Allez, mets-toi à genoux. Fast. Oh, let's go. Oh, j'ai décapité le vide. Ok, bah ça c'est fait. Oui, parfois le personnage meurt avant l'animation létale. Et du coup, il y a une décapitation dans le vide. Ou un exécute dans le vide. Petit point d'alchimie. Là, il y a ça. Mais cher le feu quand même. Puis ça laisse un dot. Du coup, c'est de là qu'on vient. Attends. Attends. Ah ouais, merci, je suis... Ça m'aide. Attends, je suis venu par où, moi? Ok, ça me dit d'aller là. Donc ça, c'est pour aller en hauteur. Là où il y a certainement une affreuse. Ça, c'est la grotte... Ça, c'est la porte qu'on a crochetée, pardon. Qui mène à bord de ciel également. Et ça... Ah, ça, c'est de là d'où on vient. Ok. Oh nice. Un arc de verre maudit. Et comme prévu, il y a Drascua, la vilaine. Ok, on l'a mis dans son propre cercle de flammes. Mais elle prend pas de dégâts, je crois. C'était honteux. Alors, on va retirer ça, ça, ça. On lui prend le pommeau. Ok, je sais pas pourquoi j'ai tout pris, mais je l'ai fait. Ouais. Ouais. On va lui prendre sa peau. Là, il y a un coffre. J'ai eu tellement de trucs magiques. Faut que je repasse à ma petite cabane. Où il y a mon hôtel. Parce que j'ai peut-être des nouvelles formules dans tout ça. Je crois que la grosse gemme rouge, comme tu dis, c'était un œil. Ah non, c'était pas l'œil. NP, on peut vite y retourner. Ah ouais, merde, c'est une pierre de Barenzia, ça casse les couilles. Comment ça se fait que je l'ai pas vu? C'est normalement assez visible, ces trucs. Ok, on peut vite revenir en hauteur. Pitié. Ah, ça nous mène à un coffre. Je me disais bien que j'avais pas pris le bon truc. Je sais pas, tentation. Je pense que plus tard je passerai en espadon d'acier. Même si c'est une moins bonne base, je préfère le design. Et je le boosterai suffisamment avec des enchantements de renfort à deux mains et du forgeage pour que ce soit bien. En plus, ça va bien avec une armure de plate. Mastache, merci beaucoup pour l'abonnement. Et après, j'ai combien de poids sur moi? Ça va. On pourra aller voir le bon père pour le rasoir de Mérunès. Putain! Il y avait une gemme spirituelle noire aussi. Mais quelle honte! Effectivement. Hirotsum, merci beaucoup pour le prime. Alors on retourne à Aubétoile, on rapporte les fragments. Gaming. Gaming gauche. Formi 5.
Ok, merci pour le Prime. Oui, le gros coffre avait été ouvert. Combien d'heures sur Skyrim? En vrai de vrai, pas tant que ça. Je pense que vous avez l'impression que j'ai un montant d'heures indécent sur Skyrim parce que j'en ai beaucoup fait en live. Mais en vérité, Skyrim, je dois avoir moins de 1000 heures. Hein. Vraiment. J'ai même pas 1000 heures sur Skyrim. Moins de 1000 heures sur un jeu, c'est pas insane, surtout sur des RPG avec une grosse rejouabilité où tu vois pas le temps passer comme Skyrim. En vrai de vrai, je dois tourner autour de 600, 700. Tous les morceaux, quelle efficacité. Ça me plaît bien. Voici votre récompense. Je détiens enfin tous les morceaux de la dague de Mérunès. Ok, il m'a donné beaucoup d'or. Tous les éléments. Depuis ma plus tendre... Ok, on va le retrouver à l'hôtel pour assembler la dague de Mérunès. Oui, je sais que je peux check sur Steam, mais c'est justement ce que je vais faire. Bah tiens, regardez. Faut rajouter les heures de ce stream qui n'ont pas encore été actualisées, mais regardez. Je vais vous faire un screen. Je sais que là tout de suite vous voyez pas, mais je suis en train de vous faire un magnifique paint. Mais en fait, faut savoir que c'est pas mon premier compte Steam. C'est mon deuxième. Parce qu'on pouvait pas changer le nom d'utilisateur et mon premier était trop honteux. Et Skyrim, c'est un jeu que j'avais eu à sa sortie. Mais... regardez. Si tu cumules mon ancien compte, qui devait tourner à autour de 300 heures sur Skyrim... ouais, c'est ça. On arrive à environ 700 heures sur Skyrim. C'est pas tant que ça, hein. C'est vraiment pas tant que ça. Qu'est-ce qu'elle branle, elle? Le Grenenex, merci beaucoup pour les 38 mois. En comparaison, Path of Exile, j'ai quasiment 4000 heures, par exemple. Ok. Ok, on va partir de là pour rejoindre cet endroit. Environ une heure de quête principale dans ces 700 heures, ça m'est bien. Peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus, mais pas beaucoup. Et Diablo 3? Bon, en vrai, Diablo 3, j'avais fait quelque chose comme 1000 heures. Après, le problème, c'est que les jeux sur lesquels j'ai dû passer le plus de temps de ma vie, bah, il n'y a pas l'heure, en fait. C'est quoi ça? Ah mais c'est le barde! Ils attaquent le barde! Ouais voilà, c'est lui! Tu le payes 25 et il chante! Ouais, genre Diablo 2 exactement! Genre Diablo 2 et League of Legends! Enfin, League of Legends, tu peux savoir grâce à un site qui te donne ton temps de jeu en fonction du compte, je crois. Mais bon, quand t'as eu 675 comptes, c'est compliqué. Ok, il va falloir monter. Je pense que le temps passé sur Diablo 2 va être fini par dépasser par le temps que je vais passer sur PoE. Mais le temps passé sur LoL, je pense qu'il n'y aura jamais rien qui pourra venir le chercher. Ok. J'aimerais juste découvrir le lieu, mais pas descendre. Pitié. Ah bah, on est obligé. On va partir de l'autre côté. Pitié, monsieur. Ne m'attaquez pas. Oh, quoique, tant qu'on y est. Bah, pourquoi je les fuis? Vous grattez un accomplissement tant qu'on est là. Allez, on va te latter des couilles.
Le Grunenex, merci beaucoup pour les 38 mois. Petit point d'armure lourde, merci monsieur. Oh nice. Oh putain, fallait le buter avant qu'il mette son coup de pied. Le bug son de Twitch qui m'empêche de profiter de la musique. F5 ou juste mettre en pause et relancer quand ça fait ça les gens. Ne restez pas impuissant face à ce bug. Il est facile de le corriger. Et ça fait un bon moment qu'il existe. Mais moi je l'ai aussi quand je l'ai sur des lives et... En vrai tu poses relance une ou deux fois et c'est bon, ou tu F5 quoi. Mais oui, c'est chiant. Je vous l'accorde, c'est chiant. Non, j'avais espoir que mon coup parte avant. Pitié, monsieur. Ah, tu veux plus. Voilà. On te slice le genou. Alors, on lui prend sa peau. Ok, le coffre, on l'a déjà pris. Enfin, on l'avait déjà pris, je crois. Ok. Petite complétion de choper. Tiens, go prendre le niveau aussi. Go monter à 150 tout pile en vigueur, ce sera joli. Voilà, c'est bien. Pour mettre le prochain point en deux mains, il me faut encore 6 niveaux. Ouais, je la connais cette émission, Astaroki. Je la regarde souvent en vrai d'ailleurs. En mangeant ou quoi. Ou sur mon deuxième écran. Quand je fais un truc pas forcément très intéressant sur le premier. Qu'est-ce qu'on fait nous déjà? Ah oui, le rasoir de Merunès, c'est ça qu'on est en train de faire. Ouais. En vrai, il y en a eu des trucs de fait aujourd'hui comparé aux deux derniers streams, je trouve. C'est sans doute lié au fait que mon personnage soit capable de faire beaucoup plus de contenu. Mais je me disais bien qu'il y avait un chat. Mais bordel, il était assis, il était bugué. Je me disais bien que c'était pas un arbre et que c'était pas un caillou non plus. Il était debout, mais debout sur sur ses fesses. Il était bugué. Ah, y'a un truc. Wow. J'ai cru que ça allait être une sale bête. Mais ce ne sont que des loups super cool. Tellement d'animaux, tellement de peau. Nice, on n'a pas trouvé la bonne entrée du premier coup, on est arrivé par l'arrière, et à l'arrière, il y a plein de trucs. Voilà, là, il y a plein de richesses. Bon, le marteau de fer, c'était un peu une honte, j'aurais pas dû ramasser cette merde. Tant pis. C'est là, garçon. Je rêve où il y a un filon. Je suis attiré par le filon. Et ben voilà, il y avait un filon de pierre de lune. Clac 121, merci pour les 17 mois. Bah merde. Putain, je me suis paumé maintenant. Il faut contourner. Nice, c'est des escaliers, on est sur la bonne voie. Marcassin, merci pour l'abonnement. J'ai entendu le bout d'un troll.
Ah non, c'était un ours. J'en pense rien, Jeff Koons. J'ai raison, je peux pas dire. Si, tu peux juste mettre des auto-attaques sur... Ah, c'est là qu'il y a la fameuse pierre du seigneur. Et oui, pour piocher, tu peux également juste spammer les coups sur un filon. Ça va plus vite. Mais je ne le fais jamais. Car ça me met bien la petite pause pour piocher son filon. C'est plus satisfaisant, je trouve. Qu'est-ce qui se passe? Garen, 30 cm au repos. Merci pour cet abonnement. Cet abonnement Prime. Voilà. Alors, tac. Bon, bah voilà. On a fait des... Oh ! On a fait des carabistouilles, maintenant ça va être l'heure de faire la quête. En vrai, c'est satisfaisant. Satisfaisant, la petite animation de pioche. Puis ça te fait une pause dans le gameplay. Ok, c'est parti. C'est parti pour la quête maudite. Pour avoir le rasoir qu'on n'utilisera pas. On le mettra dans le coffre à la maison. Ok, il va faire sa petite cérémonie là. Merunes Dagon, prince du changement, nous vous avons apporté votre dague. Nous vous implorons de rendre à Tamriel toute la gloire. Je voulais voir où j'en étais de mon niveau. Ok, ça ne marche pas, on va essayer. Toi, tu es digne d'entendre ma parole. Tu as rassemblé les fragments de mon rasoir. Ah, c'est vrai qu'on a fait tout le temps cette quatrième. Mais Dagon ne déclare jamais l'ennemi vaincu tant qu'il reste un pion sur l'échiquier. Tue Silus. Sa famille et lui n'ont plus aucune utilité. Ok. Tue-le. Prends la place qui te revient à mes côtés ou meurs sous mes coups. Non mais en vrai c'est une bonne chose de le tuer, c'est pas un bon lui. Attendez, ne me tuez pas. Il existe. Je peux rapporter les morceaux au musée. Et laissez-les dans une... Vous recevrez une généreuse quantité d'or. Moi, je compléterai ma collection. Personne n'a besoin de mourir. Non, bro. Très bien. Je ne mourrai pas sans me battre. Ah, il a rien pu faire. Il s'est fait perma-cancel. Il s'est fait enchaîner. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est bien ça aussi. Et maintenant, je suis comblé. Je vais te donner mon rasoir. Utilise-le pour semer le chaos en Tamriel. Ok. Tu as été un pion idéal. Répands le chaos sur le monde en mon honneur. Ok, bro. Place tes mains sur mon autel une dernière fois. Et tu pourras contempler la puissance de Merunes Dagon. Et puis Tax, mais c'est pour le sub. Ok, on va reconstituer la dague. Belle animation toutefois. On prend la dague. Ne pars pas si vite. Je te réserve. Oh non, bro, tu m'as piégé! T'es vraiment un trou de cul. Ah merde, en vrai. Oh putain de merde. Ok. On va les prendre au sérieux en fait hein. On est face à deux Dremora en armure lourde avec des armes à deux mains. On va peut-être les respecter en fin de compte.
Oh bordel. En plus ils font des dégâts de feu, du coup ils me mettent une dégaine. Et ça leur fait pas peur vu qu'ils sont trop au niveau. Ah, je peux pas les amener sur les bandits, je les ai déjà tués. Ok. Ça va être long, mais c'est faisable. Oh bordel. Et il faut de la réussite aussi. Quand il n'y en aura plus qu'un, ça ira. Tant qu'il y en aura deux... Ok. Ok, on a pu placer deux coups. On se remet bien. Ah mais... Oh non. Oh. Bon, je reprends pas ma sauvegarde, j'ai pris un point de parade. Oui, les bandits auraient servi à rien. Ils auraient même pas tanké longtemps. Faut focus celui au marteau, c'est lui qu'on a tapé depuis le début, je crois. Nice. Nice. Ok, on a pu éviter un coup. Celui au marteau, il est bientôt mort. J'avoue que l'escalier il me met bien. Oh bah ça c'est... La gênance. Bon tant pis, ça fera de l'XP pour la parade, écoutez. Il faut... Ok. On en a buté un, maintenant il reste l'autre. Ah non, recule pas frérot, mon endurance dans tout ça. Allez, tape dans le vide. Viens un coup puissant dans le vide. Voilà, comme ça je peux riposter. Voilà. Ah. Ok, je sais pas trop ce qui branle. Ok. Wouah. Oh, je l'ai vu arriver ce coup. Oh putain, je l'ai vu arriver. Et j'ai vu que j'allais pas pouvoir mettre à cette distance. On lui prend ça. Pitié. Il nous faut un peu plus de vie, un peu plus d'endurance et on peut le finir, je pense. Merde. Je suis mort. Adieu, bro. Ce coup était trop puissant et je n'avais pas de soins pour me soigner du doc qu'il m'avait mis avec sa hache enflammée. Alors ça c'est... Bon, je pense qu'on va pas prendre la sauvegarde malgré tout parce que... Hop. Ok, là on est bon. Voilà. Voilà. Et on finit ça. Le problème c'est que je suis beaucoup trop plein là. Il faut que j'aille faire de la place avant d'aller fouiller la zone. Oh ! Robalas tiré du bas, League of Legends. Merci beaucoup pour l'abonnement. Attends. T'as stream ? T'as fini ton stream ou pas ? Je comprends pas, tu m'as dit que t'allais lancer genre à 8h du mat. Quand on a parlé. Je suis tout confus là. Il faut aller vendre à Corberock fast. Parlez au capitaine Guillaume de qui. Il travaille à partir de 18h. Bah pour le coup, oui, enfin c'est vrai qu'il l'a pas fait depuis un moment mais c'est ça a pas été rare que Robalas lance ses lives très tôt le matin. Après en général, quand il est matinal, Robala, c'est pas vraiment qu'il est matinal, c'est qu'il est dans... en fin de recalage. Et que du coup, il va lancer à, mettons, 4h du matin. Épée, casque,
Filou, merci beaucoup pour le Prime. Ok, ça fait pas mal de place tout ça. Voilà. Dites à Crécius qu'il ferait mieux de me rendre cette pioche. Sinon, ça va barder. Je sauterai dans le premier bateau. Regardez donc. Ok. Ah, il n'a pas de nouvelles choses à me vendre, malheureusement. Ah, si, ça. J'ai rien dit. On va lui vendre les potions. Putain, il y a tellement de potions. On va vendre ça. Ça, faut pas les vendre. Les cœurs de drap, je vais les stocker. Et... ouais. Voilà. Ouais, il peut vendre des fers à repasser. Pourquoi pas, écoute. Vous êtes ici. Regardez donc. On va lui prendre ça tant qu'on y est. Ça permettra d'avoir des trucs pour forger. J'ai de la place sur moi. Ça va. Pas énormément, mais ça va. C'est autorisé, Philou. C'était un très vieux... enfin, très vieux, pas très vieux. Mais c'était un vieux let's play, quand même. Sur lequel c'était pas le cas. Du coup, c'était où? C'était ici. L'hôtel de Mérunès Dagon. Et on va vider les lieux. Dans lesquels il y aura deux Dremora également. Mais ils seront beaucoup plus faibles, je crois. Ils sont peut-être même si faibles qu'ils vont tenter de s'enfuir. Ah bah voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Tout était prévu. Ils sont si faibles et ils tentent de s'enfuir. Ok. On lui prend ça également. Bon là, faut bien regarder. Dans toute cette zone là, il y a plein de trucs. C'était la Kuroa, merci beaucoup pour les 8 mois. Bon là, il y a des bottes de fer par exemple, c'est pas super. Mais là, regardez. Des lingots d'or. Et des lingots d'ébonite. Les urnes, elles ont rien de particulier. Ici, c'est des urnes classiques dans lesquelles il y a un peu de pièces d'or parfois. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une zone qui se reset. Donc tous les trésors de cette zone réapparaissent au bout d'un certain temps. Ce qui est assez cool. Là, par exemple, il y a des gemmes. Un point d'enchantement. Encore des lingots d'or. Poussière. Trucs enchantés. Un coffre vide. Là, il y a un bâton. Gemme. Un livre de sorts, de la pierre de lune, casque enchanté, lingot. Le coffre est vide également. Pierre précieuse. Sardas, il est passé par là. Meliodas, merci beaucoup pour l'abonnement. Et je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Ah, il y avait un petit peu d'ébonite raffinée ici, ouais. Et ouais. Peut-être oublier un truc. J'oublie tout le temps des trucs ici. Il y a tellement de trucs. Bah, j'ai pas fait le truc le plus au milieu. Le truc le plus évident, je l'ai pas fait. VLC42, merci pour les 30 mois, garçon. Merci. Pour ça. On va vite fait passer chez Anise. Non, pas garde-pain. Anise, table d'enchantement. Pour voir si dans les trucs enchantés que j'ai ramassés, il y a des nouveaux trucs ou non. Et... hop. Et ce serait bien d'aller à Blancherive après. Non, rien. En même temps, les enchantements que j'ai pas, ça va se faire de plus en plus rare, voire... quasi introuvable. Et à force, on n'aura plus aucun. Go Blancherive. Tellement de trucs ont été accomplis aujourd'hui. Ah, mais je sais ce qu'il faut faire, bordel. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui traînait dans mon esprit. Il faut ranger la dague de Mérunès, le rasoir de Mérunès. Il faut le ranger dans la maison. Et
hop. Voilà, ça s'est rangé. Non, il ne faut pas devenir un vampire. Et ça arrive, peut-être. Plus tard. Wow, salut Alderito, première fois que je peux suivre ton live et comme par hasard tu joues à Skyrim, le jeu préféré du frère Rito, ça fait trop plaisir Rito, mon compagnon Rito. Merci mec. Mais tu tombes à un drôle de moment. Parce que là, on a fait plein de trucs, je suis bientôt à 6 heures de live, et là du coup faut faire une sauvegarde rapide, faut sauvegarder par-dessus la grosse sauvegarde, faut aller sur le bureau, faut cliquer sur Broadcast sur XSplit et faut cut.